Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence et de votre fidélité à notre cycle de conférences à la Cour de cassation. Alors nous allons poursuivre donc notre programme aujourd'hui, c'est un cycle qui concerne la justice, les justiciables et le public. Nous allons clôturer en tout cas cette première séquence par une thématique qui concerne la peine de mort et son abolition. Et nous allons le faire avec Nicolas Picard, qui est ici même, qui est agrégé docteur en histoire contemporaine de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et nous avons avec Nicolas Picard, pour les présents, nous avons distribué un flyer, mais pour les absents, je le signale une fois de plus, un ouvrage qui s'intitule « Les chemins de l'abolition de la peine de mort » de Cesare Beccaria à Robert Badinter, que nous avons co-dirigé avec Basile Ader, Sylvie Imbert et Hervé Levers. C'est un colloque qui a eu lieu à l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Il y a à la fois des contributions historiques sur l'évolution difficile de la peine de mort depuis un des premiers fondateurs, Cesare Beccaria, puis des temps de latence, au cours duquel ce débat n'a pas lieu, et des temps aussi où il revient à la surface de l'actualité, pour déboucher sur, en tout cas en France, sur l'abolition de 81. Et dans ce numéro, Robert Badinter évoque à la fois, si vous voulez, l'histoire de l'abolition, notamment en Europe et dans le monde, et également l'histoire de l'abolition en France, à travers effectivement son expérience et notamment le grand débat dont il nous a révélé dans l'entretien les difficultés au Sénat en particulier. Alors pour aborder ce thème, je vais laisser la parole à Nicolas Picard qui a donc, c'est pour ça qu'effectivement nous lui avons demandé d'intervenir dans ce numéro-là, qui a publié une thèse qui s'intitule Le châtiment suprême, l'application de la peine de mort en France de 1906 à 1981, qui a été publiée à l'Institut Varenne. Alors, une thèse que j'ai lue, que j'ai trouvée à la fois vivante, richement documentée et en même temps tout à fait inédite par certains aspects que vous révélez du débat sur la peine de mort et sur ces moments d'activité et ces moments de latence que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est de ce point de vue-là un remarquable travail dont vous allez nous donner aujourd'hui quelques aperçus dans votre exposé. Donc je vous laisse la parole et puis ensuite de quoi nous aurons notre débat habituel. Bien, alors je vous remercie Monsieur Denis Salas, Madame Sylvie Imbert, les membres du bureau de l'Association française d'histoire de la justice de me permettre de présenter mes travaux dans le cadre de ce cycle après de prestigieux orateurs et dans ce beau cadre de la Grande Chambre de la Cour de cassation. Alors je vais parler d'une époque révolue depuis maintenant un peu plus de 40 ans, mais à peine 40 ans, c'est-à-dire l'époque de la justice qui tue, selon le mot de Robert Badinter. Il ne s'agit cependant pas ici de revenir sur une histoire classique, une histoire institutionnelle, intellectuelle, de l'abolition de la peine de mort ou même de son application, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà. Mon intention est plutôt de m'en servir comme une sorte de clé d'entrée pour essayer d'esquisser l'histoire d'un autre phénomène, une histoire des émotions, et de cette catégorie d'émotions particulières que sont les émotions punitives. Une histoire dont les implications, à la différence de la peine de mort qui est abolie, une histoire dont les implications se prolongent aujourd'hui à l'ère de ce que M. Denis Salas a appelé le populisme pénal. En effet, que les émotions, alors par commodité, je vais regrouper sous ce terme tout un ensemble de termes assez proches, les pulsions, les désirs, les sentiments, les passions, que les émotions soient extrêmement présentes dans l'exercice de la justice, cela ne fait de doute pour personne, et en particulier pour toutes les affaires qui relèvent de la répression criminelle. Et c'est tout le travail de l'appareil judiciaire de procéder à une forme de rationalisation des sentiments moraux. Nous nous trouvons en effet dans un système pénal qui se veut héritier des Lumières, ayant pour guide la raison et pour Bible, ou en tout cas comme Ancien Testament, le traité des délits et des peines de Cesare Beccaria, qui écrivait que la liberté devait marcher éclairée du flambeau des sciences.
Et pourtant, les émotions continuent malgré tout d'y jouer un rôle majeur, sous forme de pression extérieure, mais aussi, je tâcherai de le montrer, dans le cours même des procédures. Alors, pour ceux qui sont profanes, je vais quand même rappeler quelques-unes des positions de Beccaria, notamment sur les fonctions de la peine et sur les conséquences qu'il en tirait, sur les formes que cette peine devait revêtir. Alors, en simplifiant très grossièrement, on pourrait résumer ainsi qu'à l'issue de sa réflexion, la peine comporte trois principales fonctions. C'est la fonction d'élimination. On protège la société par la mise à l'écart du criminel, alors mise à l'écart temporaire ou définitive, pour éviter qu'il ne recommence. Une fonction de prévention, c'est ce qu'on appelle aussi l'exemplarité ou l'intimidation. La peine doit effrayer le potentiel criminel qui se retiendra de passer à l'acte, ce qui protège donc la société. Et enfin, l'utilité, l'utilisation, ou ce qu'on appelait aussi la réhabilitation, la réinsertion, une peine qui s'opère par le travail, qui permet à la fois de dédommager la société et d'assurer que le criminel devienne ou redevienne un élément utile pour la société. Et Beccaria démontre qu'en matière d'élimination, d'exemplarité comme de réinsertion, la prison, enfin plus exactement le travail forcé, qui s'inscrit dans le temps long, joue en fait un bien meilleur rôle que la peine de mort. Et il démontre aussi que la peine de mort peut nuire à certains de ses objectifs en donnant au public des exemples de cruauté, en lui donnant le goût du sang, raison pour laquelle il préconise de l'abolir. Cependant, depuis des siècles, il était admis que la peine devait remplir aussi une autre fonction, une fonction primordiale, essentielle, qui est tout simplement celle de la rétribution, c'est-à-dire l'idée qu'il est juste que le criminel doive recevoir un mal, une souffrance, pour le mal qu'il a causé. Cette idée de rétribution est un peu évacuée par Beccaria comme une considération non pertinente pour la société, car n'ayant pas d'utilité pour elle. Pour lui, ça ne sert à rien de punir pour punir. Faire souffrir un criminel ne peut pas changer le passé. Voilà, donc c'est pas la peine de réfléchir là-dessus. Et c'est cette éviction de la fonction rétributive de la peine que le projet de c'est sur cette éviction que le projet de rationnel de Beccaria est le plus original, mais a aussi le plus de mal à convaincre. Alors il suffit de discuter aujourd'hui avec des classes de lycéens ou d'étudiants, hein, c'est ce que j'ai le plus fréquemment sous la main, mais ça peut arriver aussi avec un public plus lambda, hein, pour voir qu'une conception purement utilitariste de la peine a toujours du mal à passer et à contenter. Que le méchant puisse ne pas être puni en proportion du mal commis choque toujours un petit peu. La discussion, souvent, en vient sur des exemples particuliers de criminels, hein, alors de crimes ou de criminels, soit des crimes individuels, soit des crimes contre l'humanité. On peut parler de Michel Fourniret, on peut parler d'Hitler, est-ce qu'il fallait laisser Hitler en vie après la Seconde Guerre mondiale. Et souvent, les personnes imaginent leur propre réaction si elles concernaient des proches ou leur famille. Et donc, le raisonnement beccarien peut être reconnu par les interlocuteurs comme étant pertinent, rationnel, logique, mais malgré cela, il ne suffit pas toujours à épuiser la réponse émotionnelle suscitée par un crime affreux. Alors, quelle est cette réponse émotionnelle? Elle est très proche du sentiment de vengeance, rendre coup pour coup, faire souffrir en retour de la souffrance subie. Elle en diffère néanmoins légèrement parce que le sentiment punitif repose non seulement sur la volonté de faire souffrir l'autre, mais aussi sur l'empathie, celle que l'on peut éprouver pour la victime d'une agression, ou en tous les cas en s'imaginant être potentiellement victime du même type d'agression. Ce besoin de punir s'appuie donc sur un sentiment de faire le bien, par exemple aussi parce qu'on estime que la punition est éducative, d'où cette difficulté à la dépasser, puisqu'elle mélange un côté négatif, voire cruel, on inflige une souffrance, avec un aspect positif, le souci du prochain. Et je donnerai des exemples plus tard, mais on peut voir que la commission d'un crime favorise souvent l'énoncé de discours et de fantasmes plus ou moins sadiques, hein, non dénués d'une certaine volupté, que leurs auteurs ne se permettraient pas en d'autres circonstances. Alors, dans quelle mesure ces émotions punitives sont-elles l'émanation d'une obscure pulsion de mort instinctive? Alors, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, proposait d'appeler abréaction la décharge émotionnelle que le sujet doit effectuer, d'une manière ou d'une autre, lorsque la tension de l'appareil psychique est augmentée dangereusement par une agression. Et donc, la nécessité d'abréagir les affects, donc de commettre un acte de vengeance, serait ainsi, enfin, ce serait à l'œuvre dans le désir de se venger.
Alors, plus prosaïquement, Arthur Koestler, dans les réflexions sur la peine capitale, donc un livre publié en commun avec Albert Camus, il y voyait une forme d'atavisme primitif. Au fond de chaque homme civilisé, écrivait-il, se tapit un petit homme de l'âge de pierre, prêt au vol et au viol, et qui réclame à grands cris un œil pour un œil. Un œil pour un œil, en fait, même davantage, car la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, c'est déjà une forme d'encadrement du sentiment vindicatif ou punitif. Le sentiment de vengeance, comme celui de la punition, ne repose pas toujours sur une réponse proportionnée. Hein. Bon, on prend juste devant vous le dernier éclair au chocolat à la cantine, alors que vous étiez dessus depuis le début de la file, cela peut vous donner des envies de meurtre. Alors que normalement on arrive à contrôler, hein, mais l'idée peut traverser l'esprit. Et donc voilà, il n'y a pas forcément de proportion. C'est ainsi que le vol a pu être pendant des siècles puni de mort, de la même manière que des peccadilles enfantines, comme l'insolence, ont pu être punies de châtiments corporels comme la fessée. Et donc, voilà, les émotions punitives n'impliquent pas nécessairement de proportionnalité. On a pu parler plus récemment d'une compulsion de punir, marquée par une profonde angoisse, par un besoin de se libérer d'un trop-plein d'énergie négative liée au ressentiment, à la frustration, à l'inassouvissement de la libido comme énergie vitale. Et il y a des études neurologiques qui essayent d'identifier le fonctionnement cérébral de ce désir punitif, avec cette idée que la tendance à vouloir se venger de quelqu'un qui a causé du mal, alors du mal à nous-mêmes ou à un tiers innocent, serait naturelle, inscrite dans le cerveau. Alors, si la psychologie ou les neurosciences peuvent fournir des éléments de réponse, l'historien ne saurait cependant se contenter d'une approche pas trop anhistorique. Alors, peut-on faire une histoire des émotions punitives ? Si elles sont d'origine naturelle, si elles représentent par ailleurs dans les sociétés une forme d'invariant, puisqu'on a pu aussi écrire que c'était, la vengeance était une forme d'interaction sociale dont l'universalité est une des mieux attestées, est-ce qu'on peut les considérer aussi comme le produit de constructions sociales et culturelles ? La réponse est bien évidemment oui, sinon je ne serais pas là. Et donc le fait d'être inscrit dans la biologie, dans la nature, n'empêche bien évidemment pas de très fortes variations dans le temps comme dans l'espace. On peut penser qu'un besoin physiologique comme le fait de se nourrir entraîne aussi une profusion de manifestations différentes. Alors, plusieurs historiens, en France et à l'étranger, se sont lancés depuis déjà plusieurs années dans le vaste chantier de l'histoire des émotions. Celle-ci varie selon les individus, les cultures, les sensibilités. Alors, s'il est souvent difficile, mais pas complètement impossible, d'entrer dans l'effort intérieur, on peut, à tout le moins, observer les modifications de leurs manifestations extérieures, les solutions trouvées pour les gérer, ainsi que les différences d'appréhension morale et politique données à ces manifestations. Entre des émotions qui seront considérées comme légitimes, qui seront favorisées, et celles que l'on va chercher à stigmatiser, à repousser, à contenir ou à dévier vers d'autres réponses. Et donc ici, l'histoire des émotions rejoint l'histoire morale et politique plus classique. Donc ce qu'il s'agit aussi de voir, c'est comment ces émotions servent de racine à des arguments tout à fait rationnels, et comment dès lors on peut dépasser le caractère assez vain de la traditionnelle opposition entre raison et émotion. Cela est valable tant pour les arguments abolitionnistes que rétentionnistes ou morticoles. Les deux catégories s'appuient à leur racine sur des sentiments, le sentiment de justice, l'empathie, et toutes les deux catégories vont stigmatiser chez l'adversaire une incapacité à contrôler les émotions. Alors les rétentionnistes, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à la peine de mort, vont parler de la sensiblerie de leurs adversaires, et les abolitionnistes vont mettre en avant les craintes irraisonnées des partisans de la peine de mort, voire vont les soupçonner de cruauté. Donc je me propose de traiter cette étude dans le cadre français métropolitain. Je vais laisser de côté aussi bien les anciennes colonies que les pays étrangers qui ont leur propre approche de la question, et notamment parmi ces derniers les États-Unis, dont les références culturelles et le régime émotionnel sont assez différents du nôtre. Et je vais me limiter à la période que je connais le mieux, à savoir le XXe siècle. Et donc, mais même sur ce laps de temps relativement court à l'échelle de l'histoire humaine et encore très proche de nous, il est possible, je pense, de trouver des éléments qui donnent matière à réflexion sur notre époque actuelle, donc celle qui va bientôt entrer dans le deuxième quart du XXIe siècle. Alors je vais me risquer à ne pas suivre un plan chronologique, ce sera un plan
thématique. Bon, donc, je vais faire des allers-retours, j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Donc, je procéderai en trois temps. Donc, tout d'abord, une partie qui va porter sur les manifestations extrajudiciaires des émotions punitives, donc la question des débordements, des lynchages, des tentatives de lynchage en France. Une partie sur la peine de mort vue comme un moyen de satisfaire les demandes punitives de la population. Et une troisième partie qui s'interrogera sur les conséquences à la fois médiatiques, judiciaires et politiques de ces émotions par rapport à la pratique de la peine capitale. Et donc j'espère ainsi offrir des perspectives sur la façon dont la peine capitale a été considérée comme permettant de canaliser les émotions punitives, mais aussi, à l'inverse, et ce qui est peut-être moins intuitif, comment elle a pu contribuer à les entretenir et à les raviver. Alors, tout d'abord, les débordements redoutés des émotions punitives. L'un des arguments utilisés pour maintenir la peine de mort est le fait de pouvoir donner un exutoire satisfaisant à la soif de vengeance populaire. C'est un argument qu'on retrouve en 1980 et qu'on retrouve même encore après l'abolition. En l'espèce, le contre-modèle qui est érigé à partir du XIXe siècle, c'est celui des États-Unis, dont les Français se moquent régulièrement avec la célèbre formule hein, « Les États-Unis sont le seul pays à être directement passé de la barbarie à la décadence sans jamais avoir connu la civilisation ». Alors, citation assez nébuleuse, enfin, on ne sait pas trop l'origine, hein, Oscar Wilde, Clemenceau, bon. Enfin, c'est pas bien grave, mais en tout cas, il y a quand même cette idée que la France est un pays plutôt pacifié et civilisé par rapport aux États-Unis barbares. Alors, les termes loi de Lynch et lynchage sont connus dans la langue française depuis le début du XIXe siècle, mais le nombre d'occurrences dans la presse ne décolle vraiment qu'à partir de 1889. Donc, j'ai mis ici un graphique tiré de Gallica voilà, qui mesure le nombre d'occurrences. Alors, 1889, parce que c'est la date des spectacles de Buffalo Bill et ça lance l'imaginaire du Far West en France. Les pratiques de lynchage qui ont cours aux États-Unis sont vues, à l'évidence, comme un signe d'exotisme relativement barbare, observé avec condescendance et qui témoigne de la jeunesse turbulente d'une société encore organisée. Une pratique, hein, je cite des formules que l'on retrouve dans la presse, indigne d'un peuple civilisé, une déviation barbare de la justice, certains peuples affectionnent particulièrement les exécutions sommaires. On va aussi se moquer, hein, comme dans le journal Le Pêle-mêle en 1904, où on a, alors c'est une histoire fictive, hein, où on écrit, hein, je viens d'assister au lynchage d'un nègre, la population envahit son domicile, l'a traîné sur une place publique où il a été lapidé, etc. Information prise, ce nègre s'était rendu coupable de déclarer en public que les Américains n'ont pas le respect des lois. On a voulu sans doute lui prouver le contraire. Voilà, donc c'est ici, c'est un peu sombre, mais ça se veut moqueur sur les Américains. Alors la France n'a pourtant, elle non plus, pas toujours échappé aux démons des foules criminelles. Alors on peut penser au massacre de la Révolution française, hein, massacre commis dans les prisons par les septembriseurs en septembre 1792, en pleine invasion du territoire. Plus tard, au XIXe siècle, il y a le massacre des empoisonneurs au temps du choléra. Alors je ne sais pas si... ici, vous pouvez arriver à lire un petit peu. Donc j'ai pris un extrait de Louis Blanc... qui parle des rumeurs sur l'empoisonnement. Oui, donc, mais voilà que tout à coup un bruit sinistre se répand parmi ce peuple en émoi. On raconte qu'un complot infernal a été formé, que le choléra n'est point à Paris, que des scélérats s'en vont partout jetant du poison dans les aliments, dans le vin, dans l'eau des fontaines. Le peuple ouvre l'oreille à ses discours, charmé dans l'excès de ses mots, se trouvait devant lui, au lieu d'un fléau qui échappe toute vengeance, des ennemis vivants et saisissables. On était suspect. Un jeune homme fut massacré rue du Ponceau pour s'être penché à la porte d'un marchand de vin, dans le but de savoir l'heure. Un autre eut le même sort près du passage du Caire pour un motif à peu près semblable. Un troisième fut mis en lambeaux dans le faubourg Saint-Germain pour avoir regardé dans un puits. Donc ça, c'est 1132. On peut aussi penser au fameux massacre de Hautefay en 1170 dans le Limousin. Alors là aussi, c'est une période de crise, hein, on est en pleine guerre franco-prussienne, et un jeune aristocrate est accusé d'avoir crié « Vive la République !» et il est torturé et brûlé en pleine foire par la foule. Cependant, à partir des années 1870, dans le récit national en pleine construction, la République, la Troisième République éclairée, se caractériserait par une justice bien ordonnée et par une population enfin pacifiée, éduquée et civique.
Voilà, donc il n'y aurait plus de lynchage. Néanmoins, la menace est parfois agitée lorsque les autorités ne semblent pas prendre au sérieux certains problèmes de sécurité. Alors, par exemple, en 1882, on a un député légitimiste de La Bastière qui déplore une série de cambriolages d'églises, donc des voleurs de troncs, tout simplement, et qui interpelle le gouvernement en lui demandant s'il veut nous autoriser à agir à l'américaine et nous faire justice nous-mêmes d'après une loi de Lynch nouvelle pour défendre notre culte, nos droits, nos propriétés. Alors, il s'agit d'une provocation donc à la Chambre. Le ministre de l'Intérieur s'empresse de le rassurer. Mais voilà, ce type de mention revient de temps en temps et indique une inquiétude qui persiste et qui trouve particulièrement à s'épanouir après la Première Guerre mondiale, lorsque la France est confrontée à une première vague d'américanisation et de fascination pour les dynamiques provenant des États-Unis. Avec d'autres produits culturels américains, le jazz, les comics, et également le crime à l'américaine, les gangsters. Est-ce que le lynchage ne pourrait pas finir par s'imposer en France, à l'image donc d'autres pratiques violentes? Et pour c'est une sorte d'épouvantail qu'on va retrouver sous la plume de certains journalistes. Donc, par exemple, en 1933, dans le journal Les Échos, on peut voir écrit « Le moment décisif du redressement est arrivé. Pour éviter à notre pays les excès qui se propagent dans tant d'autres, il n'y a pas d'autre moyen pour empêcher la généralisation de la loi de Lynch que de refaire des lois adaptées aux circonstances nouvelles. » Donc on voit les lynchages comme un phénomène étranger, mais avec néanmoins la crainte d'une contamination. Alors, qu'en est-il, on va dire, dans les phénomènes vraiment observés? Alors, d'une part, on peut voir que le lynchage apparaît comme un phénomène largement extérieur à la France, potentiellement menaçant, mais quand même non existant. Il y a quand même quelques velléités de justice sommaire. Alors d'abord, il y a le rapport ambigu avec d'autres pratiques encadrées par les autorités. Ce sont les chasses à l'homme et les battues qui sont parfois organisées à l'initiative des forces de l'ordre qui réclament le concours actif des citoyens, notamment dans le cadre de l'évasion de certains individus dangereux. Donc, par exemple, en 1926, dans les Basses-Alpes, il y a deux condamnés, Camille Petit et André Gauthier, qui s'évadent de la maison d'arrêt de Digne et qui font l'objet d'une chasse à l'homme dans la vallée de la Bléone, à laquelle participent des habitants volontaires armés de fusils. Les évadés se font blesser par des tirs de fusil, mais néanmoins, il n'y a pas de mise à mort dans ce cas. Ils sont rattrapés dans un hameau, et l'un d'entre eux est appréhendé par des habitants qui nous l'ont remis, écrit le gendarme en charge de la traque. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça se solde parfois par la mort. Donc, par exemple, en 1947, le condamné à mort Walezewski s'évade de la prison de Montauban. La cavale dure près d'une semaine et il finit par mourir, criblé de balles, lors d'un guet-apens tendu par des inspecteurs, mais épaulé par des paysans. Donc, il s'agit cependant là de cas particuliers qu'on ne peut complètement identifier à un phénomène punitif. Plus courant, ce sont les photographies et les articles qui montrent des attroupements menaçants contre les criminels et qui mentionnent les cris à mort prononcés à l'encontre des criminels lors des reconstitutions judiciaires, des procès, des transferts ou des exécutions. Alors, il s'agit de l'expression de sentiments tout personnels d'indignation, mais il y a aussi la volonté d'être entendu non seulement par le criminel, mais aussi par les autorités qui en ont la charge. Il s'agit de faire pression sur l'exercice de la justice, ce qui n'est pas sans une certaine efficacité, puisque le sentiment public va être ensuite fréquemment mentionné dans les différents rapports que les magistrats vont faire, notamment pour le dossier de grâce des condamnés à mort. Donc j'ai pris un exemple, ici, en 1905, le meurtre de l'agent Bess, qui suscite l'émoi dans le 20e arrondissement de Paris. Donc voilà, on raconte, devant le commissariat, une foule houleuse ne tarda pas à s'assembler en poussant des cris nourris de « à mort l'assassin ». Monsieur Ress, l'actif officier de paix du 20e arrondissement, dut faire établir un véritable service d'ordre. Lorsque Boulet, le meurtrier présumé, apparut, menottes aux mains, solidement maintenu par deux agents de la sûreté et encadré par de nombreux gardiens, une immense clameur s'éleva de la foule. On eut toutes les peines du monde à repousser les manifestants, et lorsque la voiture qui emmenait Boulet et ses gardes du corps au dépôt partit, quelques pierres furent lancées, qui, heureusement, n'atteignirent personne. Alors Boulet sera d'ailleurs condamné à mort avant d'être gracié.
Voilà, donc il y a d'autres exemples, et c'est parfois, ça arrive même alors que le crime, entre guillemets, est accidentel. Donc, par exemple, en 1926, il y a un individu qui perd le contrôle de son véhicule alors que ses freins ont lâché boulevard de Belleville à Paris, son camion va tuer une passante et blesser plusieurs personnes, et termine sa course chez un marchand de vin. Alors, malgré le caractère accidentel du drame, cela n'empêche pas, je cite la presse, hein, la foule en fureur de vouloir lâcher le malheureux conducteur, les agents de police devant dégager celui-ci, revolver au poing. Parfois, les images viennent à l'appui des textes. Donc, c'est ici une photographie de l'agence Meurice qui représente la foule qui est censée, qui est supposée encercler la voiture de police dans laquelle se trouve Mestorino pour le lyncher, dit la légende. Et on voit aussi, en 1949, dans le journal Détective à Marseille, une photo qui montre, alors la légende en tout petit, qui apparaît très mal pour le coup, indique « L'indignation soulève la foule qui, devant l'hôtel de police, voudrait lyncher les assassins. » Bon, alors, sauf que le surtitrage ici est peut-être nécessaire parce que la volonté agressive de la foule ne paraît pas évidente. Mais voilà, on trouve des scènes similaires encore après. Alors, ce qui frappe cependant dans tous ces récits, c'est que, comme la cavalerie dans les westerns, les policiers et les gendarmes français arrivent toujours à temps pour sauver les accusés des foules judiciaires. Des foules justicières, pardon, pas des foules judiciaires, des foules justicières. Et donc Forst reste toujours à la loi, ce qui pose la question de la détermination réelle de ces citoyens justiciers qui peuvent maltraiter, insulter, mais qui ne vont pas jusqu'aux dernières extrémités. Alors, vu par le principal protagoniste, l'accusé, ces foules restent cependant bel et bien effrayantes. Condamné à mort en 1981, André Poletto, dont le crime est affreux, hein, il a violé, tué sa propre fille, raconte quelques années après, sous la plume d'un journaliste, comment il a vécu cela. Le jour de la reconstitution, par exemple, les gens sont venus, excités par les journaux qui en avaient fait leurs gros titres, le monstre Poletto, l'ignoble assassin, etc., fallait voir. Ils hurlaient, ils m'ont jeté des pierres, ils étaient prêts à me lyncher. Je n'ai jamais eu peur dans ma vie, même en Algérie pendant la guerre. Je ne me souviens pas d'un moment de peur, mais là, oui, j'ai appris ce qu'était l'odeur de la peur. Le quart de police tangué sous la pression de la foule, j'étais là, enchaîné, ligoté, livré. C'est terrible, une foule, c'est dangereux et fou, criminel aussi. Voilà, ce qui ne manque pas de sel venant de Poletto. À défaut de pouvoir frapper directement les responsables des crimes, on inscrit les traces de la haine sur les biens des accusés. Donc c'est ainsi, voilà, ça c'est la maison d'une empoisonneuse, Marie Boiron, dont la maison, 1946, est recouverte d'inscriptions infamantes. Voilà, donc on peut viser les accusés avec plein de moyens différents. Mais voilà, globalement, l'ordre public n'est pas débordé. Ça arrive pourtant en quelques occurrences, où on peut voir vraiment des homicides punitifs. Alors, par exemple, il y a le cas du massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893, alors que la gendarmerie est pourtant présente, mais elle échoue cette fois-ci à protéger et à exfiltrer les ouvriers piémontais, ce qui entraîne la mort d'environ 150 personnes. Enfin, une estimation à la louche, voilà. Pour les acteurs du massacre, les motivations sont multiples, en fait. Il y a le racisme, il y a la xénophobie, tout ça est alimenté par l'ambiance de concurrence économique, par la crise. Mais quand même, ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les accusations selon lesquelles les Italiens auraient commencé à agresser des Français. Et donc, c'est pour cela qu'on peut assimiler ce massacre à une expédition punitive. On retrouve aussi des émeutes anti-italiennes en 1894 à Lyon, après l'assassinat du président Sadi Carnot. Mais ici, les motivations justicières ne sont pas exclusives. On y retrouve des aspects économiques, politiques, identitaires qui leur sont connexes. Alors, plus directement, on peut mentionner l'émeute de 1929 à Limoges, lors de laquelle la porte de la prison manque d'être enfoncée au bélier par des manifestants communistes mécontents d'un verdict jugé trop clément envers un fils de la bourgeoisie. Donc, il s'agit de l'affaire Barateau. Donc, Barateau, c'est le fils d'une famille d'industriels, de l'industrie porcelainière, qui aurait fait parmi ses victimes donc un chauffeur de taxi, qui est donc érigé en martyr des classes populaires, et un autre jeune homme avec lequel il aurait voulu se suicider.
Et Charles Barateau, c'est un peu la figure du bourgeois décadent de l'entre-deux-guerres, corrompu et corrupteur, opiomane, dandy, homosexuel. Et donc, il incarne aux yeux de la presse communiste et socialiste tous les vices d'une bourgeoisie qui protège les siens. Et en effet, le verdict est inattendu. Barateau a bénéficié des circonstances atténuantes, ce qui lui a permis de n'être condamné qu'aux travaux forcés à perpétuité, c'est-à-dire quand même au ban de Cayenne. Voilà, le fait qu'il ait quand même pu sauver sa tête ne fait que confirmer pour le public la lecture politique de cette affaire. L'assaut mené sur la prison rejoint ici la ligne d'une lutte des classes. Alors, bon, je ne vais peut-être pas lire l'ensemble, mais là, vous avez un article qui vous décrit toute l'émeute. Hein, jamais cri de colère ni tant de strident sifflé n'accompagna un misérable rejeté de la vie et de la société. On vous parle de la foule devant le palais de justice. Hein, au palais de justice, les grilles ont été fermées en toute hâte. Les gardes républicains mobiles demeurent massés à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant, ça monte. Et c'est à 19h que tout change de face, alors qu'on ne redoutait plus aucun éclat, à ce point qu'il n'y avait aucun service d'ordre sérieux devant la prison. Une foule considérable se trouva portée en un moment devant ce trop fameux bâtiment. On ne se contenta plus de crier. Des jeunes gens enlevèrent les piquets de fonte qui délimitent les parcs du champ de foire. Bientôt, après, armés de ces béliers improvisés, ils se mirent à l'assaut, essayant d'enfoncer la porte neuve bardée de fer. Et on doit faire donner la troupe pour disperser la manifestation. Il y a des blessés, des centaines de blessés, il y a des dizaines d'arrestations. Alors le journal L'Humanité va justifier la colère des ouvriers limougeaux, mais quand même, comme c'est le journal de Jean Jaurès, c'est le journal communiste, du Parti communiste, mais c'est quand même le journal de Jean Jaurès, donc ils sont un peu mal à l'aise avec l'idée de soutenir cette idée des cris à mort. Ils vont dire non, ce n'est pas la tête de Barateau que l'on réclame, mais c'est une action prolétarienne contre la bourgeoisie. Le cri à mort s'adresse moins à cette loque pourrie qu'à la classe dont il était le symbole et l'expression. On va retrouver aussi les lynchages et les homicides punitifs après la Seconde Guerre mondiale. Alors, après l'épuration, sur laquelle je vais revenir plus en détail dans un instant, mais même durant les relativement paisibles années 1970, on voit des associations d'autodéfense qui se développent et plusieurs sanglantes expéditions punitives qui ont lieu. Donc, par exemple, en 1973, à Marseille, un tramino est tué par un déséquilibré algérien. Le criminel en question, le fou, échappe de peu au lynchage, mais ça déclenche aussi une vague de meurtres racistes dans la ville et ses alentours. On a plusieurs ratonnades. C'est l'époque du fameux film Dupont-la-Joie, réalisé par Yves Boisset un peu de temps après, en 1974, qui montre un petit bourgeois français, violeur assassin, qui fait porter le chapeau de son crime à des émigrés et qui déclenche une expédition punitive, une ratonnade. Voilà, que ça donne une image peu reluisante de cette France du milieu des années 70, où la question de l'insécurité devient ou redevient un enjeu politique central. Alors j'ai mis à part quand même la période de l'épuration, parce que dans ce grand XXe siècle, où il y a beaucoup de velléités justicières, mais en fait peu de passages concrets à l'acte, c'est surtout en 1944-1945 que de nombreux lynchages ont lieu. Alors l'épuration sauvage extrajudiciaire a pu être estimée aux alentours de 9000 personnes sommairement exécutées. La plupart des exécutions sommaires sont en fait quasiment contemporaines des combats de la libération, et donc en fait souvent antérieures au rétablissement de l'ordre républicain. Hein, donc c'est l'image du tribunal improvisé composé par des maquisards. Mais il y a quand même une expuration extrajudiciaire qui survient un peu après, donc en contestation de l'ordre public, après la restauration de l'ordre républicain, et qui est plus difficile à évaluer. Alors assez peu, mais néanmoins une portion significative de ces 9000 exécutions sommaires pour être rangées dans ce cas de figure. Alors il y a évidemment les images connues des tombes de femmes, il y a d'autres dérèglements, notamment on va s'emparer de personnes qui ont été mises en cause, mais qui avaient été mises à l'abri et emprisonnées. Et donc la haine accumulée se conjugue ici à l'affaiblissement de l'autorité de l'État, puisqu'on voit des collaborateurs supposés qui sont extraits des prisons ou des cours de justice pour être tués, et notamment des condamnés à mort qui avaient pourtant été régulièrement jugés, égraciés par De Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Et donc ça, ces extractions de prison, on voit ça à Gap, à Béziers, à Dijon. On a ici les images d'un lynchage survenu à Cavaillon en 1944, donc presque 2 mois après la libération.
Dans les dossiers de grâce, les magistrats des cours de justice, c'est-à-dire les cours de l'épuration, font très souvent état des fortes pressions exercées par l'opinion publique du lieu pour pousser à l'exécution, avec le risque, si l'on n'accepte pas à cette volonté, de débordement. Et on trouve même des exemples de négociations entre le ministère de la Justice et les autorités locales pour empêcher la grâce de certains condamnés, avec explicitement mentionné la crainte d'un coup de main contre la prison. Et comme l'enjeu du rétablissement de la légalité républicaine est alors crucial pour le gouvernement provisoire, et en particulier parce que c'est souvent des communistes qui sont dans ces coups de main, très souvent, on accède à ces volontés. Voilà, donc, mais grosso modo, pour terminer sur cette sous-partie, hein, de manière générale, s'il faut tirer une conclusion, c'est que globalement, les expéditions punitives se dissolvent assez rapidement lorsqu'elles butent contre des autorités légales et légitimes qui ne sont pas remises en cause et qui ne sont presque jamais prises au dépourvu. Les forces de l'ordre sont en fait rarement débordées dans le cadre des foules justicières. Elles arrivent toujours assez tôt pour mettre un thème aux heurts et leur apparition suffit généralement à calmer la foule. Néanmoins, ça joue un rôle important dans la légitimation de la peine de mort et ça contribue à étouffer les initiatives prises en faveur de l'abolition. Voilà. Et donc la crainte de l'autodéfense, c'est une forme de justification au maintien de la peine de mort. C'est en particulier l'un des grands arguments du dernier débat sur l'abolition dans les années 1970. Les tensions sont alors exacerbées par le développement de milices, parfois créées par des maires. Certes, la presse, les institutions, les partis politiques condamnent les groupements et les actes d'autodéfense, mais il y a quand même l'idée qu'il y a un risque de rupture avec l'institution judiciaire, entre l'institution judiciaire et l'opinion publique. Par exemple, le ministre Jean Tétinger, en 1974, dit hein, « Ces réactions sont compréhensibles et l'autorité judiciaire ne saurait les négliger complètement sans encourir le risque, à plus ou moins long terme, d'une sorte de cassure entre la justice pénale et l'opinion. » Et c'est également repris par... c'est également mentionné par certaines associations, ici vous avez l'association Légitime Défense, hein, qui a été fondée par un ancien magistrat, François Romério, et qui avertit, je l'ai mis juste après, les capitulations successives des pouvoirs publics devant le crime qui sont passées par plusieurs étapes, suppression des travaux forcés, de la relégation, minorité de faveur aux assises, possibilité de sursis multiples, permission, font naître dans le public un réflexe justifié de peur. Cette politique de capitulation continue et s'amplifie par l'abolition de la peine de mort, les gens s'armeront et se défendront eux-mêmes. Et c'est aussi repris par le premier des Français, c'est-à-dire le président Giscard, qui va préciser les raisons de sa volonté de maintenir la peine capitale en désignant les abolitionnistes comme des rêveurs qui seraient les alliés objectifs des mouvements extrémistes. Que font ceux qui, je cite Giscard, hein, que font ceux qui, avec sans doute les meilleures intentions du monde, tout à coup troublent ou inquiètent cette opinion ? Ils suscitent des réflexes d'autodéfense. Les Français se disent en effet, si le corps social n'est pas capable de nous défendre, nous défendrons nous-mêmes, on aboutit à la pire dégradation de l'état de justice. Alors pourtant, l'abolition de la peine de mort en 1981 ne réalise pas ces sinistres prédictions. Les mouvements d'hostilité vis-à-vis des criminels sont toujours visibles, on recense toujours des cas de légitime défense litigieux, mais les milices et les lynchages ne se sont pas développés. Et pourtant, on trouve encore des formules. En 1988, c'est le magistrat Raoul Béteille qui indique que la peine de mort, c'est la seule façon d'éviter que les vengeances personnelles se multiplient. Là, il y a un truc. Poursuivre, reporter. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc j'en arrive à ma deuxième partie sur le fait que la peine de mort est fédératrice. Alors en fait, je vais prolonger un peu le travail qu'ont mené Claude Gauvard pour l'époque médiévale et Pascal Bastien pour l'époque moderne sur le caractère relativement consensuel et concerté des peines de mort. Alors des peines de mort effectivement appliquées, hein, puisque en fait une très faible partie... une très faible partie était effectivement appliquée, la plus grande partie était graciée, c'est encore valable d'ailleurs à l'époque contemporaine, et sur le fait que ces peines de mort effectivement appliquées nécessitaient quelque part l'assentiment de la population, l'assistance aux exécutions était encouragée puisque les huissiers qui frappaient aux huis
c'est-à-dire aux volets, aux portes, pour avertir les bourgeois de l'imminence d'une exécution. Cet assentiment est toujours supposé. Néanmoins, les 19e et 20e siècles voient une sorte de dérèglement avec un regard de plus en plus méfiant jeté sur le public qui souhaite voir appliquer la peine de mort. Alors, qui souhaite voir appliquer la peine de mort au sens figuré, comme au sens propre, c'est-à-dire assister aux exécutions capitales. Alors, d'abord, la peine de mort, bien sûr, est réclamée par les proches des victimes. La haine des proches des victimes, des criminels, est très compréhensible, elle représente un cas particulier. Il s'agit bel et bien de venger par la guillotine la perte d'un être cher et les souffrances. Donc, je vous ai mis ici la lettre du fils d'une victime qui s'indigne d'une grâce accordée par le président de la République. J'ai l'honneur de vous exprimer ma profonde indignation en apprenant par toute la presse qu'une mesure de faveur a été accordée à l'ignoble assassin de mon père au dernier instant où il allait enfin être vengé. Voilà, à 18 ans, privé de mon père depuis 2 ans, quelle idée voulez-vous que je me fasse de la justice de notre pays si elle ne punit pas d'une façon exemplaire le boucher sans âme qui tue sa victime, etc., etc. Donc cette volonté de venger les morts est relativement peu exposée en place publique. Jusqu'aux années 1960, la parole des victimes est peu mise en avant. Que ce soit dans les chroniques judiciaires ou pendant les procès, l'accusation générale prime sur les déclarations des parties civiles. Néanmoins, cette accusation générale peut utiliser le malheur des victimes et leur besoin de vengeance pour demander explicitement aux jurés de participer à cette vengeance. Alors, la colère des citoyens se manifeste également par des lettres. On peut prendre l'exemple de l'affaire Soleillan, qui survient au début du siècle, en 1907. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, c'est un individu qui tente de violer, qui tue une petite fille qui avait été confiée par les parents, qui étaient ses voisins. Et donc l'émotion est considérable. Il y a une foule immense qui assiste aux obsèques de la petite victime. Et alors, dans les nombreuses lettres reçues par la préfecture de police, qui ont été publiées par Jean-Marc Berlière, on voit que c'est les citoyens qui écrivent au préfet de police rivalisent d'inventivité dans le juste châtiment à appliquer un tel monstre. On pense que la guillotine, c'est trop doux. Ça ne fait pas assez souffrir. Et donc, on cite, il faut faire bouillir le criminel à petit feu, le clouer sur une croix, le castrer, le livrer à l'abattoir, l'étrangler comme un lapin, le remettre aux mains des mères de famille pour qu'elles puissent le décapiter en petits morceaux. Je ne sais pas trop comment on s'y prend. Le lapider, le livrer à un lion ou à un ours affamé, le dépiécer comme un boucher sur une table en ayant soin de ne pas aller trop vite pour le faire souffrir plus longtemps, car la mort la plus dure sera encore trop douce pour lui. Voilà, l'idée que la guillotine ne fait pas assez souffrir, il n'y aura jamais assez de châtiment pour un monstre pareil. Et donc l'idée de qu'il n'y a jamais assez de châtiment pour un monstre pareil, on retrouve ça aussi de nos jours, quand on va dans la fonction commentaire sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un crime qui est commis. Alors, dans ma thèse, j'avais pris l'exemple de l'affaire Fiona, pour rappel, c'est cette petite fille de 5 ans qui avait disparu dans un parc de Clermont-Ferrand. L'alerte a été donnée par sa mère et après plusieurs mois de recherche, on s'était rendu compte que c'était le beau-père et la mère de Fiona qui avaient fait le coup, qui avaient avoué la mort accidentelle de l'enfant, alors plus vraisemblablement à la suite de maltraitance, qui avaient dissimulé le cadavre, et le public avait été complètement furieux parce qu'il y avait eu d'abord un élan de solidarité, d'empathie envers les parents accablés. Sur les réseaux sociaux, on pouvait lire des choses comme « Ces monstres ne méritent que de crever dans d'atroces souffrances, il faudrait les mettre dans une benne à ordures avant de leur tirer dans les genoux, les parties et les yeux. » Et également, toujours cette formule, « Aucune peine ne sera à la hauteur, aucune. » Voilà, donc ça, c'est toujours cette idée que voilà, même la peine de mort ne suffit pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir de manière un peu diffuse, collective. Par ailleurs, ça peut avoir des traductions politiques un peu plus structurées à travers, d'une part, les pétitions, d'autre part, les manifestations, les défilés. Donc on voit ça lors du débat abolitionniste de 1906-1908. Les pétitions et les vœux sont surtout en fait le fait, cette fois-ci, plutôt des élites, d'autorités judiciaires, d'autorités locales, dans une France où les corps intermédiaires jouent un rôle important. Dans les années 70 et 80, les pétitions se caractérisent par un caractère assez massif. Donc, par exemple, il y a les pétitions qui ont été envoyées à l'Élysée après l'assassinat en 1976 du petit Vincent Gallardeau, donc, qui a été tué dans le Pradé, dans la ville du Pradé, dans le Var. Il y a plusieurs milliers de signatures qui arrivent à l'Élysée.
Et également avec des... Alors, en fait, c'est le maire hein, qui a principalement organisé cette collecte de signatures, le maire du Pradé. Mais on voit aussi des cahiers de pétitions qui sont issus d'initiatives personnelles. Et alors, je n'ai pas pu le photographier parce que c'est encore sous dérogation, mais notamment un cahier dont la décoration est assez émouvante, hein, parce qu'on voit des photos du petit garçon, mais au-dessus, il y a marqué « À mort l'assassin, un châtiment exemplaire, une souffrance illimitée ». On voit, voilà, et là-dedans, l'individu en question a fait signer pas mal de personnes. On retrouve ça également après l'abolition, hein, des pétitions pour réclamer la peine de mort. Donc, par exemple, en 1988, la pétition lancée à la suite de l'assassinat de la petite Céline Jourdan recueille plusieurs dizaines de milliers de signatures. On voit également cette adhésion du public à la peine de mort avec le soutien aux exécutions, l'assistance aux exécutions, qui sont des véritables réjouissances. Hein. Alors, surtout en fait, après l'échec du projet de loi sur l'abolition devant la Chambre des députés fin 1908, ce sont des sortes de fêtes de retrouvailles, puisque pendant 3 ans, il n'y avait pas eu d'exécution. Il y avait une sorte de moratoire instauré par le président de la République de l'époque, durant laquelle, durant cette période, les commutations de peine avaient été systématiques. Et donc, une foule, population joyeuse, accueille avec soulagement le retour du bourreau, donc Anatole Desbleur, et sa mission de protection de la société. Et le bourreau Anatole Desbleur est alors nommément acclamé. On retrouve quelques semaines plus tard à Carpentras la même ambiance. Et donc, d'après un journaliste, on peut lire, hein, sur les murs de la prison, presque sur la lucarne cloisonnée de sa cellule, des chœurs ont entonné des oraisons liturgiques des agonisants et des trépassés. Dans les rues, l'animation est intense. C'est une foule en liesse que le reporter côtoie, la foule des grandes réjouissances populaires. Voilà. Alors, cette ferveur est ensuite un peu stassée au fur et à mesure que les exécutions se succèdent, sans disparaître complètement, même si ça va être en fait de plus en plus difficile d'assister aux exécutions publiques. Alors, le problème du caractère public des exécutions capitales, c'est un peu un serpent de mer de la Troisième République. Hein. Régulièrement, il y a une proposition de loi qui est déposée devant la Chambre afin de les enfermer dans une enceinte pénitentiaire, mais on se garde de l'examiner pour ne pas de nouveau lancer un débat sur l'abolition, et on trouve donc des moyens pour la dissimuler. Donc, au lieu d'exécuter en place publique, on se contente d'exécuter devant la porte des prisons, de plus en plus tôt dans la journée, hein, le matin, sans prévenir la presse. Les gendarmes à cheval doivent permettre de cacher la vue au public présent. Et ce qui fait que pour assister à l'exécution, on peut voir sur la photo de presse que les gens sont obligés de monter sur des escabeaux, sur des voitures, pour essayer d'apercevoir quelque chose. Et alors que c'est de plus en plus difficile, ça continue à susciter le scandale. Alors, la dernière exécution publique, c'est l'exécution d'Eugène Weidmann à Versailles, alors qui est particulièrement scandaleuse, puisqu'il y a des photos qui sont prises et qui paraissent dans la presse nationale, mais aussi dans la presse internationale, ce qui gêne beaucoup le gouvernement, donc ici dans le magazine Life, dans le magazine américain Life. Mais alors, il se trouve que comme c'est le gouvernement Daladier qui vient d'obtenir les pleins pouvoirs pour gouverner, cette fois-ci, c'est réglé assez rapidement. On décide que les exécutions auront désormais lieu en prison. Il n'y a pas lieu de faire un débat devant la Chambre. Cela ne calme malgré tout, cela ne calme pas la volonté de voir, puisque même après cet enfermement dans l'enceinte des prisons, on va avoir des tentatives pour y assister. Donc, par exemple, en 1948, le père d'une victime demande une autorisation spéciale pour assister à l'exécution des assassins de son fils. Cette autorisation lui est refusée. Mais le père va profiter du fait que, donc c'est l'exécution a lieu à Béziers, il va profiter du fait que la tour de la cathédrale de Béziers surplombe la cour de la prison où a lieu l'exécution pour assister à la fin des condamnés. Et dans la presse, on lit, il assista très calme au châtiment des assassins, ne laissant échapper après la deuxième exécution qu'une seule phrase, justice est faite. Et cet acte est jugé particulièrement émouvant par le journaliste. Alors ça aura une conséquence concrète, c'est-à-dire que c'est à la suite de cet incident que les cours dans lesquels la guillotine est installée sont recouverts d'un drap noir pour éviter les regards plongeants. Et donc c'est ce drap noir qui est décrit par exemple par Robert Badinter dans son récit L'exécution. Alors également, on pourrait essayer de voir
Que pense l'opinion publique de la peine de mort? Alors, c'est difficile de le savoir avant 1945, parce qu'on n'a pas de sondage, mais les hommes politiques, les juristes sont assez convaincus du consensus populaire sur la question. Donc, lors de l'avant-projet Chéron-Mateur de révision du code pénal, qui exposait en 1934, alors révision qui va tomber dans les sables parlementaires, puisqu'il faudra attendre encore longtemps avant de réviser le code pénal, on va écarter l'abolition de la peine de mort, alors même que son efficacité est ouvertement remise en cause. Donc là, je cite un élément de présentation d'un juriste. Hein, l'article 23 maintient au sommet de l'échelle pénale la peine de mort. Quoi qu'on puisse en penser en thèse de sa légitimité ou de son légitimité, on peut estimer, le sort des propositions récentes de suppression en font foi, que l'opinion publique en France n'est pas prête à renoncer à cette peine, qu'elle croit nécessaire parce que la plus intimidante et la plus exemplaire de toutes les peines. Peut-être, à ce point de vue, produit-elle plus d'effets sur les honnêtes gens que sur les grands criminels. Donc, ça veut dire que le juriste en question, lui, il ne croit pas du tout que ça marche. Mais, il conclut, hein, mais dans un pays d'opinion, on est bien obligé de tenir compte de ce sentiment général auquel la répression doit correspondre dans la plus large mesure pour remplir tout son rôle. Et voilà, l'auteur rajoute aussi plus tard, hein, il faut donner satisfaction au sentiment d'indignation et de justice ancré dans l'âme populaire, apaiser les sentiments de colère, de vengeance et éviter les représailles. Alors l'opinion publique, c'est un outil rhétorique qui est tout le temps sorti par ceux qui soutiennent l'application de la peine de mort et qui vont postuler que l'abolition n'est souvent souhaitée que par quelques beaux esprits indifférents aux volontés du pays réel, pour reprendre un terme maurassien. Alors à partir des années 50, on a des sondages qui permettent davantage d'objectiver l'évolution de l'opinion publique à ce sujet, même si les chiffres, évidemment, doivent être observés avec pas mal de précautions, parce que alors c'est pas simplement des reflets de l'opinion, mais ce sont aussi des instruments rhétoriques dans un débat qui devient de plus en plus actif. Ça dépend aussi comment la question est posée, dans quel journal c'est censé paraître, etc. etc. Alors, ça c'est d'autant plus intéressant que les condamnations capitales, cette fois-ci, se raréfient, c'est-à-dire que les jurés condamnent de moins en moins à mort, et on voit que pendant un certain temps, en fait, pendant les années 60, l'abolition est majoritaire. Ça va rebasculer dans les années 70. Donc la peine de mort regagne du soutien dans les années 70, et alors c'est vrai que l'abolition législative de 1981 se fait bel et bien à rebours de l'opinion publique, au sens donné à celle-ci par les sondeurs, finalement après 1981 le débat n'a été rouvert qu'à de brèves périodes, alors souvent en situation de campagne électorale. Si on observe les courbes, ce n'est qu'en 1999, donc très tardivement, que les soutiens à l'abolition dépassent de nouveau ceux à la peine de mort. Donc pendant les années 2000, les gens étaient plutôt favorables à l'abolition, et depuis les années 2010, on voit que le soutien au rétablissement de la peine de mort remonte à nouveau, et actuellement on est à environ à 50-50. Mais bon, on peut rajouter cependant que le fait de se prononcer en faveur de la peine de mort en 1980 n'a pas tout à fait la même signification qu'en 2023, puisque la probabilité qu'elle soit rétablie est infinitésimale, et donc la plupart des sondeurs interprètent plutôt cela comme un simple message politique pour réclamer une pénalité plus sévère, et qu'on ne peut pas en déduire que les gens seraient réellement, entre guillemets, plus favorables au rétablissement de la peine de mort. Enfin, en tout cas, on ne peut pas en déduire les chiffres d'un hypothétique référendum. J'en arrive à ma dernière partie, donc essor et reflux du populisme pénal jusqu'à nos jours, l'influence des émotions sur la répression pénale. Alors déjà, je vais poser la question de la fabrication de ces émotions, des émotions fabriquées par qui et dans quel but. Alors la réponse, c'est généralement des émotions en grande partie fabriquées par la presse et les médias, et dans quel but? Généralement dans un but politique plutôt conservateur. Alors, l'essor du fait criminel dans la presse depuis les débuts de la Troisième République, notamment depuis l'affaire Trottmann de 1970, est bien connu, en particulier avec les travaux de Dominique Khalifa. Et donc cet essor se réalise malgré les discours négatifs portés à son égard. Donc ici,
une caricature de l'assiette au beurre qui fustige hein, le goût du sang, le goût pour les faits divers. Le rôle de la grande presse parisienne dans la crise sécuritaire de la Belle Époque a été souligné à plusieurs reprises, hein, et ça, c'est l'une des explications de l'échec du projet d'abolition de 1908, avec notamment la mise en avant des apaches. Donc les apaches, ce sont ces jeunes voyous qui terrorisaient Paris et contre lesquels, comme on le voit ici dans le, sur le petit journal, hein, seule la guillotine pourrait véritablement faire impression. Il y a aussi les pratiques des référendums de presse qui vont avoir tendance à impliquer le lecteur dans, dans la campagne en faveur de la peine de mort. Il y a donc l'instrumentalisation de l'affaire Soleillant, du nom du tueur pédophile que j'ai déjà eu l'occasion, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler tout à l'heure, et donc ce Soleillant qui a été condamné à mort mais qui a été gracié par le président Falière, cette grâce est apparue comme étant insupportable à beaucoup. Vous avez ici une caricature du président Falière en défenseur des assassins, et donc c'est cette affaire, enfin en grande partie cette affaire, qui explique que de nombreux députés radicaux qui étaient assez tièdes sur le sujet ont alors complètement retourné leur veste. Donc alors que lors des élections législatives de 1906, on pensait que l'abolition était acquise, en 1908, c'est finalement un échec. Le caractère fabriqué des émotions punitives pose quand même un peu problème. Alors, de nombreux auteurs ont pointé du doigt le fait que c'était fabriqué plutôt par les journalistes, les élites politiques, sociales, intellectuelles, et que c'était un moyen pour elles, quelque part, de se dissimuler derrière l'argument des passions populaires pour éviter d'avoir à affronter la question de leur propre frilosité. Beaucoup d'autres auteurs ont souligné que les principales victimes, entre guillemets, de la peine de mort sont majoritairement issues des classes populaires, des milieux marginaux, et que leur élimination a pu être considérée comme un instrument de pouvoir au service des classes dominantes, destiné à tenir en lisière les classes dangereuses, le prolétariat ou l'open prolétariat. C'est toujours difficile hein, de démêler ce qui enclenche le cycle, hein, ce qui va se créer entre l'excitation d'une partie de l'opinion publique, une presse virulente et des acteurs politiques qui exploitent la vague d'émotions. C'est, je pense, en partie un faux problème, car on ne peut pas vraiment distinguer ce qui relèverait d'émotions fabriquées médiatiquement et d'émotions authentiques. C'est-à-dire que même si la colère et la haine sont manipulées, excitées, construites, elles n'en restent pas moins sincères pour ceux qui les ressentent, et elles peuvent être ressenties avec beaucoup de force. Alors, les émotions... Pardon. Je vais encore en prendre un peu de... Les émotions, ce n'est pas uniquement dans les médias, c'est aussi... donc ça, c'est l'échec de l'abolition. C'est aussi dans les procédures. Donc, vous avez la question des passions qui fait dérailler les procédures à plusieurs niveaux. Alors déjà, dès le niveau de l'enquête, hein, on peut remarquer que la recherche effrénée d'un coupable lorsqu'un crime affreux est produit lorsque donc un coupable est réclamé par l'opinion publique, ça peut conduire à de sérieux courts-circuits dans l'enquête à une époque où on peut s'appuyer encore sur assez peu d'éléments matériels, hein, la police scientifique balbutie. L'essentiel des preuves, ce sont les témoignages et les aveux. Et donc j'ai retrouvé, par exemple, dans un dossier de grâce, la lettre d'un gendarme scrupuleux qui dénonce les conditions d'interrogatoire auxquelles il a participé et qui va donc ça a entraîné l'aveu d'un individu qui a été condamné à mort. Donc ce gendarme, en fait, va court-circuiter sa hiérarchie, va mettre en péril sa carrière parce qu'il ne veut pas voir tomber la tête d'un innocent, et donc il écrit directement à un juge d'instruction où il va dévoiler comment l'enquête s'est réellement menée, et donc il indique hein, l'article du Midi Libre a été la cause déterminante de l'attitude que l'enquêteur adopte dès le matin du 8. Donc, on comprend qu'en fait c'est parce qu'il y a une pression médiatique que on va se focaliser sur un accusé. Il est trop tard pour reculer, car reculer serait se déjuger aux yeux de la population. Et il décrit le fait qu'à partir de là, on va s'acharner en fait sur un suspect, donc le dénommé Boudou.
Donc on pense que le sort de Boudou ne nous appartient plus et que les magistrats doivent prendre à leur tour des responsabilités. Si on insiste, si on reprend phrase par phrase, ils ponctuent chacune d'elles par une onomatopée déconcertante qui donne à réfléchir sur la compréhension qu'il a de la lecture. Qu'il me soit permis d'affirmer que Boudou ne joue pas la comédie à ce moment-là, il est absolument passif, comme emporté dans un rêve. Il n'a pas l'habitude de la phrase, de nos phrases, son langage est beaucoup plus simple, plus dépouillé. Il abandonne vite parce qu'il ne comprend pas ou qu'il est incapable de suivre un raisonnement. La reconstitution a été le type même de la suggestion, si bien qu'une pudeur bien compréhensible nous a tenus, et moi-même, en dehors de cet acte pitoyable que Boudou a effectué comme un pantin. Il fallait une victime à jeter en holocauste, ne serait-ce que pour calmer la peur. Et donc le type a été condamné donc, deux fois à mort, puisqu'il y a eu une cassation, et les jurés ont été abusés par une enquête très nettement partisane, je dirais même passionnée. Voilà. Alors, en l'occurrence, Boudou a vu sa peine commuée, mais une grâce très partielle, puisque sa peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité, et il est mort en prison à l'âge de 70 ans, après 11 ans de détention. Alors que, là, pour le coup, on peut douter que ce soit lui vraiment le coupable. Et cette impression, je l'ai quand même eue à la lecture de pas mal d'autres dossiers hein, qui manquent cruellement de preuves matérielles. Bon, alors il n'appartient pas à l'historien de refaire les enquêtes à plus d'un demi-siècle de distance, mais ça interroge malgré tout. Alors le risque d'erreur judiciaire et le caractère irréparable de la peine de mort sont pourtant l'un des arguments les plus parlants et les plus efficaces des abolitionnistes, mais il semble que le risque d'erreur judiciaire suscite moins d'horreur au XXe siècle qu'au XIXe, comme le montrent par exemple certains juristes qui tentent de rejeter cette objection. Alors, 1934, le manuel Garot objecte hein, les erreurs judiciaires qui envoient un innocent à l'échafaud sont infiniment moins fréquentes que les erreurs chirurgicales ou médicales qui font mourir un malade. Ces erreurs, imputables à toutes les institutions humaines, ne peuvent être une raison pour supprimer la peine de mort. Voilà. Donc, c'est pas un argument qu'on peut opposer. Tant pis, hein, voilà. Comme les erreurs chirurgicales. On retrouve aussi cette forme d'hystérisation dans les procès capitaux. Alors même dans le cadre très ordonné de belles salles de palais de justice, hein, où toute expression spontanée de vindicte est réprouvée et découragée aussi par l'apparat des lieux, le public laisse souvent échapper sa colère, son indignation, la joie de la condamnation. Hein, on entend parfois des applaudissements, des bravos. Et donc, par exemple, je vous ai mis ici, en juillet 1949, une audience aux assises de l'Hérault. Donc, le président Azémar dit qu'il va falloir se tenir tranquille. Hein, avertissement nécessaire car la salle est comble d'un public que l'on sent prêt à manifester toute l'horreur qu'il éprouve pour l'odieux assassinat dont les deux accusés ont à répondre. Malgré cette annonce, au moment où l'avocat général termine son réquisitoire, hein, l'incident déplacé se produit. La foule le laisse percer ses sentiments, applaudit vigoureusement et une suspension d'audience est nécessaire. Donc les avocats qui ont à défendre des clients encourant la peine capitale témoignent du climat toujours particulier, hein, de la tension exagérée qui règne dans ces procès et qui ont tendance à vicier les débats, les raisonnements. Le professeur de droit Georges Levasseur écrivait en 1967 que la perspective de la peine capitale avait pour résultat de faire dévier fâcheusement le cours normal de la procédure de jugement. On voit aussi dans ces procès le fait que le caractère ambivalent de la peine de mort. C'est-à-dire que dans les discours politiques, elle est présentée comme un moyen de contenter la population et de canaliser la violence des citoyens. Mais en fait, c'est l'inverse que l'on observe dans les prétoires. C'est-à-dire qu'une grande partie des discours tenus dans l'enceinte judiciaire vis-à-vis des jurés, qui sont issus de la population et qui décident de facto de l'application de la peine de mort, alors seuls jusqu'en 1941, puis en commun avec les magistrats après, une grande partie des discours sont là pour raviver les émotions punitives, pour leur dire de punir. Et les incitations adressées aux jurés invitent à relativiser l'image d'une passion vengeresse qui serait spontanée. En gros, c'est une chose de souhaiter la mort d'un criminel au milieu d'une foule, c'en est visiblement une autre d'être en mesure de la décider lorsqu'on a vu et entendu l'accusé en question. Et donc, les avocats généraux insistent sur la nécessité de ne pas se laisser aller à la faiblesse, à la pitié. Il s'agit d'éviter l'énervement de la répression par des jurés trop frileux. Ils doivent accomplir leur devoir, ils doivent penser à venger les victimes. Ils doivent aussi satisfaire le sentiment de l'opinion publique.
Donc, je vous ai mis ici, donc c'est le procureur général Roll lors d'une affaire survenue en 1934. Un verdict d'indulgence dans cette affaire serait un verdict de faiblesse que l'opinion publique ne comprendrait pas et qui troublerait profondément la conscience des honnêtes gens, parce qu'ils auraient l'impression qu'ils ne sont plus protégés, que la justice les abandonne. Et donc, il se trouve que ceux qui vont donc se faire appel à la raison sont surtout les avocats de la défense, hein, qui s'acharnent à repousser les émotions populaires, tandis que les avocats généraux les convoquent pour justifier la peine qu'ils réclament, et ils vont utiliser dans leur réquisitoire la description, par exemple, de la foule aux funérailles, des attroupements, des tentatives de lynchage, des manifestations collectives de deuil, afin de témoigner de l'adhésion de la population à la peine qu'ils réclament. Donc, également, ils cherchent à susciter l'émotion violente en faisant circuler les photographies de crimes et d'autopsies parmi les jurés. Donc, on a toute une rhétorique de la fermeté, de la dureté, qui appelle à fermer son cœur, à envelopper son cœur d'une triple cuirasse d'airain. Et donc, c'est pour ça que certains avocats généraux ont une réputation un peu sanguinaire. Hein, donc, ça, c'est la fameuse caricature qui paraît dans l'assiette au beurre. Pourquoi il faut guillotiner ? Il faut guillotiner parce que les robes des procureurs ont besoin de temps en temps d'être reteintes de rouge. Alors c'est aussi le thème de Marcel Aimé dans sa pièce La tête des autres, hein, dans les années 50. Donc voilà, ce fait qu'il faut que les procureurs généraux, les avocats généraux, excitent quelque part les émotions punitives au lieu de canaliser. Alors ça a aussi des conséquences sur les lois. Donc c'est mon dernier point. La prégnance des émotions punitives va alimenter le fait de produire de nouvelles lois. Donc c'est l'une des caractéristiques du populisme pénal. Hein. Le populisme pénal, c'est-à-dire le fait d'adopter une loi répressive dans le but de plaire à une frange de son électorat et d'augmenter ainsi sa popularité en ne tenant pas compte de l'efficacité de la loi. Alors la liste des incriminations capitales s'était réduite tout au cours du XIXe siècle. Il y avait deux chefs d'inculpation qui rassemblaient plus de 90% des affaires. C'est l'assassinat, donc meurtre avec préméditation, et le meurtre accompagné d'un autre crime. Alors, en règle générale, l'autre crime, c'est le vol qualifié. Et à rebours de ce mouvement de réduction au cours du XIXe siècle, en fait, on voit de nouvelles infractions qui viennent s'ajouter au cours du XXe siècle, très souvent en réponse à un fait divers. Donc en fait, le modèle un fait divers égale une loi n'est pas une spécificité de notre époque, même si la fréquence est quand même, ce mode de réaction politique a sans doute depuis augmenté. Donc on voit cet essor législatif entre la période, entre 1935 et 1954, donc il y a 5 nouvelles incriminations capitales votées par le Parlement. Alors je laisse de côté les décrets-lois de 1939, la législation de Vichy, puisque là, il n'y a pas eu de vote au Parlement. Hein, donc c'est des choses qui ont été imposées de manière dictatoriale. Alors je vais me limiter ici à détailler le premier cas, la mort pour les kidnappeurs. Donc c'est une initiative qui fait suite à un fait divers, donc une affaire retentissante survenue à Marseille en novembre 1935, l'affaire Malmé-Jacq. Donc c'est le petit Claude Malmé-Jacq, 18 mois, qui est enlevé lors d'une promenade au parc Chanot. Donc c'est une vieille femme qui emploie un subterfuge pour éloigner la jeune fille qui gardait l'enfant et qui s'en empare. Donc la police commence son enquête, mais la ravisseuse s'est évaporée avec sa proie. Et alors le fait que ce soit une femme, ça interroge un peu tout le monde. Hein. On se demande si c'est une détraquée qui veut satisfaire ses instincts maternels ou si c'est un motif crapuleux, si c'est un enlèvement par une bande de gangsters dont la kidnappeuse n'aurait été que l'instrument. Alors pendant les jours suivants, il y a tout un feuilleton qui se développe avec des fausses pistes, des lettres reçues, des chiens policiers, des radiesthésistes, etc. etc. L'émotion est considérable, c'est pas uniquement à Marseille, hein, c'est dans toute la France, plein de faux signalements. Également, le père du petit Claude Malmé-Jacq va pouvoir parler à la radio pour faire un appel aux ravisseurs. Et on écrit, hein, toutes les mères partagent les affres et les douleurs de la mère du petit Claude Malmé-Jacq enlevée dans les conditions que l'on sait.
il y a effectivement une lettre de rançon qui est envoyée, et donc on va se déchaîner sur l'idée d'une contamination des États-Unis, toujours, hein, c'est l'idée du kidnapping à l'américaine, d'autant plus que peu de temps auparavant, il y a eu l'affaire Lindbergh aux États-Unis. Donc Charles Lindbergh, le célèbre aviateur, qui est une célébrité mondiale, son fils a été enlevé, ce qui avait entraîné d'importantes recherches. Lindbergh avait payé une rançon, mais son fils avait quand même été retrouvé mort. Et donc un mois plus tard, le Congrès américain faisait voter une loi faisant du kidnapping un crime fédéral passible de la peine capitale. Voilà, donc on voit cela aux États-Unis. Le petit Maljak a plus de chance que le petit Lindbergh, puisque alors que les policiers ratissent en fait toute une série de maisons, ils se retrouvent nez à nez avec une dame dont le signalement correspond à celui de la ravisseuse. Ils entendent pleurer un enfant. Ils entrent, ils vont à l'étage. Il y a un jeune homme qui tient le bébé en joue avec une arme à feu, mais il accepte de se rendre. Le petit Claude est sain et sauf. Et là, c'est le délire dans Marseille. Alors on dit, hein, des groupes se forment, ça t'appelle de voisin à voisin. C'est une grande famille exultant de joie, etc., etc. Les deux ravisseurs manquent d'être lâchés, mais ils ne le sont pas. Toujours les gendarmes qui protègent. Voilà. Alors, malgré ce dénouement heureux, on voit que les réactions médiatiques et politiques sont violentes, nombreuses et immédiates. Alors, le petit journal est assez virulent, hein. L'opinion publique tout entière a partagé l'angoisse des parents du petit Claude Maljak, la partage avec eux leur joie délirante, elle partage maintenant leur juste colère, réclame contre les ravisseurs des peines qui constituent un exemple salutaire. Notre législation doit ne prévoir pour les voleurs d'enfants que des peines de 5 ans à 10 ans de réclusion. Alors, en réalité, les parents Maljak n'ont jamais réclamé de châtiment particulier, hein, mais les journalistes les réclament à leur place. Les parlementaires vont embrayer. C'est-à-dire que dès le lendemain, dès le 3 décembre, le lendemain du dénouement, il y a 4 propositions de loi qui sont déposées à la Chambre, et le ministre de la Justice qui va mettre un projet à l'étude. Et c'est le projet de loi du ministre est le plus sévère. Hein. Il va prévoir la mort pour le détournement ou l'enlèvement de mineurs de moins de 13 ans, les travaux forcés à perpétuité pour les mineurs de 13 à 16 ans. Alors quand même, pour encourager la restitution de l'enfant, la peine est ramenée aux travaux forcés à temps si le mineur est retrouvé vivant avant la fin des débats. Et donc le projet est adopté avec quelques modifications mineures, et que ce soit à la commission des lois ou dans l'hémicycle, personne ne se dresse contre cela, y compris les députés socialistes, hein, qui normalement sont traditionnellement abolitionnistes. C'est adopté dans une indifférence quasi générale. Alors, lors du procès des deux ravisseurs, hein, l'avocat général va d'ailleurs regretter que la loi ne puisse pas être appliquée de manière rétroactive. Hein, il va déclarer aux jurés « Je vous en conjure, ne soyez pas inférieurs en rigueur aux juges du Reich, qui, eux, disposent désormais de la peine capitale pour punir les ravisseurs de mineurs. » Donc, voilà, le Reich allemand est posé en modèle. Alors, la loi sur le kidnapping, de même que toutes les autres lois qui sont mentionnées ici, en fait, ne vont jamais être appliquées devant les tribunaux. Il s'agit bien de lois inutiles, destinées à répondre à une émotion populaire, sans souci de leur efficacité, ce qui correspond bien à la définition du populisme pénal. L'abolition de la peine de mort ne va pas mettre un terme aux velléités de rétablissement de la peine capitale pour certaines catégories de criminels. Et donc, par exemple, en 1982-83, ce sont les terroristes qui sont visés, hein, alors ici dans un tract du Front National, plus tard toujours alors, les assassins d'enfants, donc ça c'est un grand classique. Et donc jusqu'en 2004, hein, c'est la dernière proposition de loi qui va être déposée, on a régulièrement des propositions de loi pour rétablir la peine de mort sur certains crimes odieux, donc ça peut être le meurtre de magistrats ou de policiers, le meurtre de personnes âgées, le trafic de drogue même, voilà. Alors cependant, c'est jamais poussé très loin, c'est-à-dire que le peu de constance dans les propositions cherchant à rétablir la peine de mort laisse à penser qu'elles n'ont pas pour vocation de déboucher sur une mise en œuvre effective, mais là encore, c'est surtout l'idée que ce sont des marqueurs politiques à destination d'électeurs qui veulent avoir surtout une répression accrue. Et en fait, c'est également des propositions qui ont assez peu de publicité, hein, donc c'est surtout à destination des militants, finalement. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Ça va, oui. Bon. La légitimité de la peine de mort est restée continuellement discutée au cours du XXe siècle.
bien que souvent sur un mode mineur et surtout parmi les élites. Le débat ne va pénétrer en profondeur dans la société qu'à partir des années 60. Il n'en demeure pas moins que la peine de mort fait souvent consensus et a permis de satisfaire les pulsions vindicatives d'une bonne partie de la population. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'usage de la peine de mort aurait permis d'avoir un effet cathartique, hein, qui relèverait d'une sorte d'expulsion du bouc émissaire, qui permettrait ainsi, en purgeant la collectivité d'une émotion négative, de se tourner de manière apaisée vers l'avenir? C'est l'argument des partisans de la peine de mort. Et également avec l'idée qu'il faut respecter l'opinion populaire, son économie des peines. Cependant, j'ai aussi montré qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de soutenir que la peine de mort, certes, ça peut calmer des pulsions, mais ça peut aussi les aviver. Et ça, c'est l'un des arguments qui déjà est exposé en fait par César et Beccaria. Et de fait, les pulsions vindicatives prêtées à la population sont loin d'être toujours avérées. Alors, j'ai mis l'accent dans cette présentation sur les émotions punitives, mais attention quand même à l'effet de focale, puisque par ailleurs, on peut aussi voir des marques inverses. Et par exemple, certaines campagnes vindicatives, certaines campagnes de presse, qui ne se déroulent pas toujours comme prévu. Donc, par exemple, au printemps 1950, il y a le journal Combat, qui, alors pourtant journal dans lequel Albert Camus avait écrit, qui entame une campagne en faveur de l'application de la peine de mort pour les parents bourreaux d'enfants. Après un effroyable fait divers. Voilà. Mais il se trouve que le courrier des lecteurs va apporter des réponses si modérées que la rédaction va se sentir obligée de réorienter sa campagne vers un autre objet. De fait, toutes les lettres mettent en avant qu'une telle répression toucherait d'abord les familles les plus pauvres. Et donc le journal Combat va réorienter et va dire « Non, il faut traiter les causes profondes du mal, c'est-à-dire les taudis, la misère, l'alcoolisme. » Et même il va aller plus loin, puisqu'ils vont faire une lettre ouverte pour demander au président de la République la grâce d'un criminel qui avait lui-même connu une enfance particulièrement malheureuse. Au niveau individuel, les marques d'apaisement ou de pitié sont assez discrètes. Hein. On les voit dans certaines lettres adressées aux condamnés, à des cadeaux aussi qui peuvent leur être envoyés pour améliorer leur ordinaire. Voilà. Et donc, il est possible que l'importance du consensus populaire en faveur de la peine de mort soit surestimée. Néanmoins, l'engagement abolitionniste au sens militant ne va se développer qu'assez tardivement, dans les années 60 et 70, où on va avoir une sorte de, pas massification, c'est peut-être une forte thème, mais une multiplication des engagements abolitionnistes. Enfin, pour terminer, pour conclure la conclusion, quelque part, j'évoquerai la poussée des peines d'emprisonnement visant à établir une autre forme de mort pénale, celle qui consiste à laisser le condamné mourir derrière les barreaux, et donc une poussée que l'on observe depuis l'abolition de 1981. Alors, si la plupart des responsables politiques, y compris certains populistes, ont intégré l'abolition comme un socle fondamental, il subsiste toujours la tentation de rajouter des échelons supplémentaires au sommet d'échelle des peines, afin de punir des crimes particulièrement atroces. J'ai repris Sébastien Pell qui, dans un collectif, décrit ça très bien. Hein, sa disparition de notre arsenal répressif n'implique pas que les idées qu'il inspirait aient totalement disparu. Malgré l'abrogation de la peine de mort, l'homme, qu'il soit de la rue, responsable politique ou juriste, n'a pas véritablement renoncé au mythe d'une réponse pénale définitive qui implique souvent la neutralisation par l'exclusion de celui qui a gravement violé le pacte social. Si ces idées-là ne déclinent pas, bien plus, elles connaissent un certain regain d'intérêt. Et alors que Badinter avait explicitement refusé qu'on établisse une peine de substitution lors de l'abolition, et que donc les condamnés à mort se retrouvaient versés dans le régime de perpétuité ordinaire, si l'on peut dire, ce qui leur permet, au bout d'un certain temps, d'avoir un espoir de libération conditionnelle, on a depuis ajouté au code pénal des peines incompressibles, avec la loi de 1986 sur la peine de sûreté de 30 ans, une loi de 1994 sur une peine de sûreté perpétuelle, les mesures de rétention de sûreté destinées à prolonger l'enfermement même après l'accomplissement d'une peine. Et dans ces débats, au sujet de ces mesures, on voit une résurgence d'arguments qui, en fait, sont un peu les mêmes que ceux qui étaient employés du temps de la peine de mort. Alors, à la fois du côté des partisans et des opposants. Et donc, certains juristes proposent de rassembler ces dispositions sous le terme de peine radicale, afin de souligner la parenté de ces dispositifs avec celui de la peine de mort. Donc, l'enjeu de la mort pénale et aussi de l'inefficacité de telles peines et de leurs fonctions principalement vindicatives reste toujours un sujet brûlant et débattu. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Nicolas Picard, de cet exposé brillant et à la fois illustré pour notre plaisir. Donc, je trouve intéressant d'aborder cette question sur des émotions, et notamment des émotions punitives. Ce n'est pas souvent le cas. Émotions punitives ou justicières, selon l'évolution du vocabulaire que vous avez utilisé. Et en vous écoutant, quand on voit la continuité de ces émotions punitives, on se dit quand même qu'il fallait un certain courage aux politiques en 81, à Mitterrand et à Banater, pour affronter ces émotions punitives multiséculaires que vous avez décrites, que pour le XXe siècle, mais quand même au-delà, et poser comme un impératif politique l'abolition. Donc ça remet en perspective, je dirais, l'abolition votée en France en 81, puis dans d'autres pays par ailleurs. Je retiens la phrase de Louis Blanc dans ce que vous avez dit. Au lieu d'un fléau, quand un fléau nous frappe, si vous voulez la remettre peut-être, oui, oui. Au lieu d'un fléau qui est hors de toute portée, nous tenons des ennemis vivants et saisissables. Et le fait de tenir des ennemis vivants et saisissables par la justice permet effectivement de maîtriser, je dirais, à travers eux, un fléau immaîtrisable, une violence qui effectivement nous frappe. Donc Louis Blanc, je trouve cette phrase très forte. Il faut s'en souvenir pour montrer la dimension irrationnelle. Alors là, ce que vous dites finalement, c'est que au fond, il y a toujours eu colère, passion, réaction, haine après un crime odieux. L'exemple de Soleillant que vous avez donné. Donc, le chiffre, l'extrait que vous avez donné du journal, 100 000 personnes. À la louche, hein, parce que les journaux de l'époque sont pas, n'hésitent pas à être dans la surenchère. Oui, mais oui, il y avait. Mais c'est quand même un signe. Moi, je me souviens que là, pendant l'affaire Dutronc, on parlait de 300 000 personnes en Belgique pour les petites Julie et Mélissa qui avaient été assassinées par Dutronc. Donc, c'est quand même une pression sur le politique absolument énorme, qui demande à être contrôlé, tant bien que mal. Donc une constante émotionnelle très forte, qui trouve différentes expressions, hein, et vous montrer comment, à travers différentes périodes, les sensibilités collectives, finalement, colorent différemment la réponse sociétale, politique, à l'émotion qui exige une réponse et qui est finalement trouvée. La question que je me pose pour ouvrir le débat, c'est dans ce paysage complexe, est-ce que vous voyez cette constante de l'émotion punitive à travers les siècles, et notamment ce siècle-là, ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a une évolution des sensibilités collectives qui tend à civiliser cette émotion qui finalement, vous le montrez dans votre exposé, dans l'affaire Weidmann, qui finalement vont restituer à la prison, donner à la prison une fonction d'élimination qui jusque-là était donnée à la peine de mort. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution profonde ? Il me semble qu'en fait on l'observe surtout au XIXe siècle, puisque c'est au XIXe siècle qu'on a encore des massacres punitifs, mais c'est Alain Corbin qui a étudié le massacre d'Hautefay qui le dit. Hein. Le massacre d'Hautefay. Racontez-le. Alors le massacre d'Hautefay, c'est donc un jeune aristocrate qui est sur un village paumé entre le Limousin et le Poitou, et on l'accuse d'avoir crié "Vive la République". Voilà. Et donc se mêlent contre lui à la fois des sentiments anti-monarchiste, parce qu'il est aristocrate, mais aussi anti-républicain, et parce que les paysans sont tout acquis à la cause de Napoléon III, sont bonapartistes, on est en période de guerre, donc en plus on le soupçonne forcément, s'il est aristocrate républicain, probablement d'être un espion des Prussiens. Et donc pour cela, on se dit qu'il mérite une punition et qu'il mérite de mourir. Et même Alain Corbin montre qu'à certains moments dans l'après-midi, les gens qui participent s'imaginent qu'ils vont avoir une prime grâce à cela. Mais Corbin dit bien, c'est quand même, enfin, ça a suscité l'horreur dans tout le reste de la France, en revanche. Et ce qui montre qu'il y a eu un décalage en fait entre les sensibilités des arriérés, hein, quelque part, de Hautefay, et le décalage, alors principalement des élites urbaines,
qui sont absolument horrifiés de ce qui a pu se passer. Et c'est vrai qu'on ne voit plus vraiment de massacres punitifs après. Donc on peut estimer qu'effectivement il y a quand même eu une forme de civilisation. Alors l'exception, la parenthèse, c'est l'épuration. Oui. Là, très clairement, on retrouve des choses que l'on observait justement au XIXe siècle. Très, très nettement, avec la photo montre donc quelqu'un qui est pendu par les pieds, mais des gens qui sont empalés sur des grilles, enfin des choses assez, assez sanglantes. Hein. L'épuration, d'accord. À l'époque de l'épuration. À l'époque de l'épuration, oui. 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 On retrouve des châtiments d'une barbarie extrême. Oui, des châtiments de barbarie extrême. C'est pas simplement des fusillades, oui, c'est vraiment ça, des châtiments barbares. Quoi. Exactement. Des châtiments que les personnes n'ont pas pu voir, parce qu'à la limite en 70, on pourrait se dire il y a eu des massacres précédents dans des villes, des lynchages avant, donc il y a pu avoir une sorte de mémoire de ces gestes punitifs qui a perduré, voilà. Des résurgences de barbarie. Voilà. Mais là, à l'épuration, c'est vraiment une haine vraiment très profonde qui s'exprime. Et vous ne pensez pas que, je pense au cinéma américain, par exemple, sur le lynchage, il y a tout un traitement cinématographique dans l'imaginaire américain qui montre la lutte de la loi, des hommes de loi, des shérifs qui sont habilités pour faire appliquer une loi, civilisée, en quelque sorte, face aux pratiques de lynchage à tout bout de champ par les fermiers, notamment, dès lors qu'il y avait un vol. Le problème des hommes de loi américains, c'est que beaucoup se rapprochent en fait du modèle du vigilantisme et que, en fait, très souvent, le shérif agit aussi en qualité de quasiment de personne privée. Donc il y a aussi cette dimension-là, ce qui fait que les représentations de la punition des forces de l'ordre américaines, il y a une idée d'une héroïsation du justicier que l'on voit aussi dans les journaux français qui vont interviewer des vedettes américaines de lutte contre le crime, alors que les vedettes américaines de lutte contre le crime, les vedettes françaises américaines de lutte contre le crime, sont plus des commissaires un peu débonnaires qui font marcher leur petite ménage. C'est plus Maigret que les justiciers avec le pistolet à la main. Donc c'est pas tout à fait la même chose en fait. Et les policiers qui interviennent, les policiers de base, sont rarement mis en avant de manière trop personnalisé en fait. On a vu récemment sur Arte un film avec Hank Zem, Pandele, et on voit un juge américain, fin 19e j'imagine, qui effectivement récupère grâce à un shérif une troupe de lyncheurs, en quelque sorte, et on lui dit, mais là-dedans il y a deux innocents, ils ont rien fait. Mais, non, on les prend quand même. On les prend quand même. Et le shérif a des résistances éthiques par rapport à des innocents, mais non, il faut justement les punir pour justement l'exemplarité de la peine de mort qui va contrôler la violence sauvage par une violence entre guillemets légale dont le juge, le shérif seront effectivement les garants. Donc c'est une violence effectivement mitigée de vengeance, comme vous le dites. Et puis les États-Unis sont jamais vraiment arrivés à contrôler cette violence. Alors, un peu plus après les années 40-50, mais pendant les années 30, on a encore les lynchages américains, c'est encore des choses où les journalistes viennent, la police sait qu'il y a un lynchage, il y a une foule immense, c'est des exécutions publiques. Jusque dans quelles années jusque les années 50 Jusqu'au moins les années 30-40. La guerre. Voilà. Bien, on va donner la parole à la salle pour des questions, j'imagine, du public, après un exposé aussi émotionnel, il ne peut pas y en avoir. Alors, qui souhaite interroger notre ami, qui a une érudition, vous l'avez vu, assez importante dans ce domaine-là. Sylvie, peut-être une première question, qui va se dévouer pour ouvrir le débat. Alors, je ne me dévoue pas, ça me fait très plaisir. Merci Nicolas Picard pour cette belle présentation. Et vous avez parlé de l'ouvrage de Claude Gauvard, Condamné à mort au Moyen-Âge, pratique de la peine capitale en France, 13e, 15e siècle. Et elle commence son ouvrage par « Digne de mourir,
comme inutile au monde. Oui. Et vous, vous commencez en parlant des différents principes et justement cette notion d'utilité, évidemment, elle paraît disparaître. J'ai l'impression qu'on la voit plus dans votre propos ensuite. Alors justement, le propos, c'était de montrer que ces arguments rationnels de l'utilité, ça ne satisfait pas l'émotion positive. C'est-à-dire, on peut toujours dire que la personne sera plus utile à travailler pour réparer le dommage qu'elle a fait. S'il a fait un crime affreux, non, les gens veulent le voir souffrir, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis l'accent dessus. Donc ça, parce que ça, c'est quelque chose qui parle surtout aux juristes, qui parle à certains hommes politiques éclairés, etc., mais qui a du mal à accrocher. Et comme je disais, j'en parle avec des élèves, par exemple, ils disent oui. Bon, on comprend. Enfin, rationnellement, si, c'est très bien ce qu'il dit Beccaria, c'est très logique. Mais quand même. Enfin, voilà, c'est. La punition. Mais quand même, voilà, c'est toujours ça. Et alors, vous venez d'utiliser le terme voir la peine. Mmh. Et c'est vrai que pendant très longtemps, la peine de mort servait, Claude le dit dans son ouvrage, Gouvard le dit bien dans son ouvrage, c'est un moyen pour le public de contrôler que justice est bien rendue. Progressivement, on avance, vous parlez du XXe siècle, et la seule chose qu'on voit, c'est la peine de mort, parce que la prison, c'est secret. Oui. Et donc, on se trouve avec une seule peine que l'on voit, c'est la peine de mort, qui paraît peut-être la meilleure peine que l'on puisse donner alors, dans notre société. Que l'on voit de moins en moins, en fait, mais que l'on voit via la presse. Ce qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on veut supprimer la publicité de la peine capitale en disant, mais de toute manière, les journalistes le raconteront et donc les gens le sauront, etc. etc. Mais oui, alors la prison et le bagne aussi, pour lequel on a. Enfin, juste là aussi, il y a une question d'éloignement qui fait que c'est. C'est très peu visible, c'est encore moins visible en fait que les prisons, parce que les prisons, il y avait quand même l'avantage qu'elles étaient relativement proches des villes, hein, si on pense à la Roquette, la Santé, etc. Tandis que le bagne, lui, c'est voilà, c'est très loin. Question dans la salle, monsieur. Oui. Où on peut répercuter, ou on peut redire, ou là-bas, oui, parle là-bas, oui. Ah. C'est pas évident, il faut se rapprocher du micro. Oui. François Caldor, avocat honoraire. Vous avez évoqué les peines de mort édictées par notre pays du temps de sa dérive dictatoriale, comme vous avez évoqué. Mais je vous rappelle que la décision qui a été prise par l'autorité législative, entre guillemets, à l'époque, il y a une partie des dispositions à peine de mort qui ont été établies un petit peu avant le 18 juin 1940. Hein, bien sûr. Et non pas directement sous le régime de Vichy. Oui, oui. Alors, dans le terme dictatorial, j'incluais Daladier. Par ailleurs, il y a cette période qui mérite discussion, mais il y a aussi postérieurement à la libération toutes les peines de mort qui ont été décernées pendant les guerres coloniales et pendant la guerre d'Algérie, et on n'était pas, je crois, en situation dictatoriale malgré la position de certains partis politiques. Et donc il y a lorsque vous évoquez les mouvements de foule pour exiger la mort, il y a aussi un certain nombre de mouvements de foule qui ont existé pour exiger la grâce et la liberté. Vous avez évoqué les États-Unis d'Amérique. Si on parle des États-Unis d'Amérique, je me permets d'évoquer l'affaire des Rosenberg, qui ont été les seules personnes exécutées et condamné à mort pour espionnage dans toute l'histoire des États-Unis. Voilà. Alors, vous avez évoqué le droit commun, mais il y a là où le politique s'en mêle et qu'il faudrait que votre propos soit enrichi et que notre propos
au sein de l'Association française d'histoire de la justice, évoque aussi. On l'a fait dans l'ouvrage, on a une vision plus voilà. internationale des choses. Mais j'évoquais ces cinq lois-là parce que là il y a eu un vote au Parlement. Mais sinon effectivement c'est Daladier hein, qui commence à accroître le champ de la peine de mort, hein, à mettre de nouvelles infractions, dont l'espionnage d'ailleurs. 1939, hein, l'espionnage devient un crime passible de la peine capitale alors que ça n'était pas le cas en tant que tel avant, mais bon, ça fonctionnait avec l'atteinte à la sûreté de l'État, bon, ou la trahison. Mais alors pour les crimes politiques, alors pour l'épuration comme pour les condamnations à mort dans les conflits de décolonisation, ça c'est une très vieille infraction politique, hein, c'est atteinte à la sûreté de l'État. C'était déjà dans le code pénal napoléonien et effectivement c'est ça qui est massivement employé parce que ça reste assez flou en fait. Voilà, donc c'est mais là j'évoquais ici là pour ces mouvements le fait que c'était voté, c'est passé devant des gens élus. Voilà. Après effectivement tout le secteur de la peine de mort politique c'est encore autre chose, mais qui d'ailleurs en fait soulève davantage, enfin peut soulever davantage la sympathie du public que les affaires de droit commun, à l'exception des épurés quand même, juste à un moment de la collaboration, c'est pas voilà, mais ça gêne un peu quand même quand il y a des condamnations politiques en Indochine, en Algérie, une partie de l'opinion publique qui est ennuyée du fait que c'est pas des cours d'assises, c'est pas des jurés qui s'en chargent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, madame. Alors, donc, est-ce qu'il y a un lien entre la mise en avant des victimes et donc la croissance des lois qui visent à faire des nouveaux niveaux de peine et donc à renforcer l'idée de la mort pénale, c'est-à-dire certes pas la peine de mort, mais laisser les criminels mourir en prison. C'est difficile de répondre. Alors oui, alors qu'il y ait une mise en avant des plus importante des victimes qu'avant, oui, qui est dû à la fois à la place que leur donnent les médias, mais aussi au fait que les victimes elles-mêmes jouent davantage des médias qu'avant. C'est-à-dire que les gens, quelque part, connaissent davantage les codes et vont davantage s'en servir, tenir des conférences de presse, des choses comme ça, alors qu'on ne voit pas de victimes tenir des conférences de presse dans le premier XXe siècle. Hein, voilà. Alors, ceci dit, on parle quand même beaucoup des victimes avant. On va les interviewer. Voilà. Mais il y a cette idée que les victimes doivent être... Enfin, les victimes... Plus exactement, les familles des victimes doivent se tenir dans le deuil, dans la retenue. Et très souvent, l'avocat des parties civiles, lors de ce type de procès, ne réclame pas la peine de mort, puisque c'est l'accusation, c'est l'avocat général qui s'en charge. Donc, c'est possible, mais en même temps, comme je l'ai montré, dans les années 30, il y a aussi cette poussée un peu de durcissement pénal, mais qui n'est pas lié tellement à une mise en avant des victimes, hein, qui est lié tout simplement à une notion d'ordre, du fait qu'il faut renforcer l'ordre, des choses comme ça. Donc, c'est l'un des éléments actuels, je pense. Est-ce que... mais c'est peut-être pas le seul. Voilà, je répondrai comme ça. Ça mériterait presque un autre séminaire, votre question. Mais on va pas,
On va pas. Non, mais simplement pour répondre à votre question, c'est vrai, vous avez raison. Simplement, l'historien, forcément, va vous dire que c'est un phénomène récent qui est apparu dans les 30 dernières années seulement. C'est assez récent, l'émergence des victimes dans le champ pénal. Et aux États-Unis, il y a des tas d'études là-dessus, qui, notamment la possibilité d'assister à la condamnation à mort sur la chaise électrique par les familles de victimes. Chose qui est refusée en France à partir du moment où elle est enfermée dans les... Alors, mais qui est même refusée à l'époque des exécutions publiques, puisqu'il y avait souvent deux rangs, un rang pour les journalistes et un rang pour le public. Et les familles des victimes n'étaient même pas admises dans le rang des journalistes. Hein. Donc ça, c'est... Donc alors, c'est, il y a des rangs pour assister à la condamnation. Alors il y a des... le service d'ordre laisse passer les journalistes pour qu'ils assistent de plus près à l'exécution. Familles de victimes sont... Alors les familles de victimes sont souvent refoulées. Pas toujours. Ça dépend. C'est très variable. C'est souvent les instructions que donnent les procureurs. Mais il y a certaines notes où on dit la mère de la victime a voulu s'approcher et on ne lui a pas laissé passer le cordon. Le cordon, voilà. Et donc la place de la victime, dans l'affaire Soleillant, moi je me souviens de l'affaire Soleillant, la victime n'a qu'une place, c'est un deuil digne. Oui, c'est ça. Vêtue de noir, avec un voile, c'est cette place-là lui était la seule qui lui était attribuée. Les larmes, les expressions, les dommages intérêts, tout ça n'existe pas du tout. Aucune réparation, etc. Donc c'est vraiment cette figure hiératique du deuil assumé et la seule place reconnue à la victime. Et on est avec Soleillant, on est au début 20e. Mais avec quand même cette idée dans les réquisitoires, pensez à venger les victimes. En gros, les victimes n'agissent pas, ne font rien. Donc, quelque part, il faut que vous les vengiez à leur place. Par le parquet, par le biais du parquet. Par le parquet, voilà. Par le biais du parquet. Qui prend en charge la vengeance collective. C'est ça. Oui, je t'en prie. Oui. On reprendra tes questions. C'est là. J'ai commencé mes études de droit en 1960. Et l'émotion côté victime était absolument absente des études de droit pour ceux qui allaient être magistrat, avocat ou quelque chose. La seule façon qu'on évoquait, c'est le préjudice de la partie civile, c'est tout, au sens quasi monétaire de la question, mais l'émotion victimaire et l'émotion publique étaient véhiculées, comme vient de le dire Denis Salas, essentiellement par l'avocat général et par le parquet, aussi bien l'émotion publique que l'émotion particulière dans le procès. Hein. Tout à fait. Prêt. Merci. Autre question ? On ferme le micro. Autre question ? Non ? Allez. Pourquoi tu me regardes, Président, mais comme si je devais à chaque fois poser une question. Je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais me tenir quoi. Suite à ce qui vient d'être dit par mon confrère, pour les magistrats comme pour les avocats, malheureusement, une affaire où on encourt la peine de mort, une affaire où il y a du sang, etc., paradoxalement, une belle affaire. Quand on en parle entre nous, les juristes, plus le dossier est sanguinolent, plus, etc., plus l'affaire est belle, parce que c'est une très belle affaire à défendre ou à accuser, effectivement. Non, deux, trois petites choses. Vous avez parlé de Mitterrand... c'est l'exemple d'un homme politique qui s'est réjoui dans les années 50, et j'ai en mémoire des archives de François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, qui se réjouissait du nombre de décapitations en Algérie, et puis qui ensuite, sans doute bien influencé par Robert Badinter, s'en remet effectivement à cette idée qu'il faut une fois pour toutes abolir la peine de mort. Mais un homme politique qui, socialiste, puisque vous avez dit que les socialistes étaient la plupart du temps abolitionniste, lui non, pendant longtemps, et puis ensuite, et par la suite, il s'y range. La peine de mort, elle existe toujours en France, d'abord pour les animaux. Or, les animaux ne sont plus des objets mobiliers au sens du code civil dans le temps, ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité. La loi a changé, comme vous le savez. Or, le tribunal, en matière pénale, c'est dans le code pénal, peut ordonner l'euthanasie d'un animal. Vous regardez, c'est dans le code pénal, il y a un article qui prévoit l'euthanasie. Et puis, la peine de mort, elle n'existe plus dans la loi, mais elle existe dans les faits. Quand vous prenez un certain nombre d'affaires de droit commun, Human Bomb, école maternelle de Neuilly,
on descend froidement, et d'ailleurs l'auteur, le policier qui a descendu humainement, a écrit un livre là-dessus, une fois que le procureur Lyoncourt, notre collègue, a épuisé toutes les voies de recours possibles, mais il explique pourquoi il a descendu Human Bomb. Dans toutes les affaires, Bataclan, le prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, les policiers de Magnanville, il y aura peut-être une étude sociologique un jour, mais enfin, force est de constater que dans la totalité des cas, on a descendu froidement le ou les auteurs des faits, alors que peut-être dans un cas sur 10 ou sur 20, on aurait pu tirer dans l'épaule, dans les genoux, se saisir de l'individu, utiliser tout le moyen, je n'en sais rien. Ce qui fait qu'il faudra s'interroger effectivement, ça c'est humain bien sûr, mais sur le fait que parfois, bah oui, on applique immédiatement la peine de mort, c'est plus sûr, d'ailleurs il n'y aura pas de récidive, c'est sûr. Il y a évidemment la légitime défense d'autrui, ça va de soi, la sienne parfois, mais on applique quand même cette peine de mort. Et je me suis toujours demandé ce qui serait arrivé à Richard Burns, qui avait tué 8 maires adjoints et conseillers municipaux de Nanterre et qui s'est suicidé ici, à quelques mètres d'ici, hein, en sautant par une fenêtre du toit de la police judiciaire. Il s'est suicidé, d'accord, mais je pensais à l'époque qu'il lui arriverait sans doute quelque chose, quoi, mais je ne sais pas quoi. Une anecdote pour montrer l'état d'esprit de nos jeunes universitaires. On a organisé avec Basile Ader, notre vice-président, quelques autres confrères, la reconstitution du procès de Raoul Villain, l'assassin de Jean Jaurès. L'assassin, comme vous le savez, a assassiné Jean Jaurès en juillet 1914, à la fin du mois de juillet, de 2 coups de revolver. Et il n'a pas été jugé tout de suite, puisqu'arrive la guerre. Hein. Bon. Et on le juge en 1919, au printemps 1919. Il a donc assassiné un homme politique d'envergure. Voilà. À l'époque, les jurés jugent sans la présence des magistrats et il n'y a que des hommes dans le jury. On est en 1919. Le verdict, Raoul Villain, assassin de Jean Jaurès, est acquitté. Lorsqu'on fait la reconstitution à l'école de formation des barreaux, le FB, avec Basile Ader et quelques autres, on décide d'une part de garder un jury indépendant des juges, donc des élèves de l'EFB, des jeunes universitaires, 20 et quelques années, mais d'autre part, c'est anachronique d'y mettre des jeunes filles, donc des garçons, des filles. On fait le procès, on reconstitue tout ça, on plaide, on requiert, c'est d'ailleurs Basile Ader qui joue le procureur général, et ensuite, nos jeunes se retirent pour délibérer. Quelle est la peine qu'ils ont mise, d'après vous, à Raoul Villain? Sachant que Raoul Villain était fils d'une femme complètement barjot, qui était en hôpital psychiatrique, que lui-même s'était rendu en Allemagne pour tenter de tuer l'empereur de Prusse. Enfin, voilà, il était un peu dérangé, quoi. Eh bien, nos jeunes universitaires, c'est il y a 2 ans, c'est sur Internet, vous pouvez voir la reconstitution du procès, ils l'ont condamné à mort. C'est dire que... Et ces jeunes, ils ont fait 5-6 ans d'études de droit, ils sont briefés par des gens comme vous, monsieur le professeur Salas, ou vous, madame la professeure Imbert, ou d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde très civilisé du 21e siècle. Alors, je n'ai pas cherché à savoir si c'était à l'unanimité ou pas, peu importe. Mais enfin, ils ont condamné à mort. Un dingue. Il y a 2 ans. Édifiant. Alors, il y a aussi un biais des juristes qui est le légalisme, c'est-à-dire... Le code pénal dit ça, donc on applique. Mais il peut y avoir cela. Je ne sais pas si c'est par émotion. Ils ont jugé au vu du code pénal de l'époque. Ah oui, absolument. Oui, d'accord. Et qui prévoyait la peine de mort. Oui, auraient pu lui trouver des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on leur avait confié, voilà. Alors qu'à l'époque, comme vous le savez, c'était les magistrats qui prononçaient la peine, le juge se prononçait sur la culpabilité. On leur avait transféré pour voir. Pouvait légalement l'appliquer. Mais les jurés savaient quand même, hein, même s'ils ne délibéraient pas avec les magistrats, que s'ils mettaient les circonstances atténuantes, ils évitaient la mort. Donc c'est comme ça qu'ils. Enfin, ce n'était pas eux de prononcer la peine. Puisque c'est son co-juge de prononcer la peine, mais il savait que s'il revenait avec un verdict de culpabilité avec circonstances atténuantes sur une qualification d'assassinat, ça voulait dire que de fait, ils évitaient la mort. Les jurés votaient sur la mort en réalité, même si. Dernière observation, peut-être sur l'émotion qui suscite des lois. Il y a un exemple actuel, mais très actuel. Il y a 1 an, le fils d'un grand chef de cuisine est tué en scooter par quelqu'un qui est à la fois sous l'empire de l'alcool, sous l'empire des stupéfiants et qui par ailleurs a volé une voiture et ensuite n'a pas le permis de conduire. C'est vrai que ça fait beaucoup.
ce serait le fils, enfin le vôtre, le mien, où il ne serait rien passé, on n'aurait rien dit. Il se trouve qu'Antoine Hélénaud a été invité à Télématin. Samedi dernier encore, chez Léa Salamé, il y a eu tout un épisode très important sur cette affaire, extrêmement émouvante, c'est vrai, où il explique que jamais on prend en considération les victimes, que lui a dû payer l'ambulance alors que l'auteur a été conduit à dans des voitures de police gratuitement, peu importe, etc. Qu'est-ce qui va arriver ? Homicide routier. Et on a entendu Madame la Première Ministre et Monsieur le Garde des Sceaux et voir la ministre de l'Intérieur dire oui, pourquoi pas, on y réfléchit, etc. Autrement dit, par l'émotion d'une affaire très médiatique, d'un grand chef qui est invité à la télévision souvent. Il y a eu 2 pages dans le Parisien, 1 page dans le Figaro. Je les ai découpées pour mes archives, Denis. Eh bien, on va sans doute aboutir, peut-être même à la criminalisation de l'homicide routier, parce qu'on en parle, pourquoi pas une cour d'assises, enfin une cour criminelle, hein, puisque quelqu'un qui sciemment, délibérément, sachant qu'il a bu ou pris des stupes, sachant qu'il n'a pas le permis, prend le volant, il sait qu'il va tuer, en tout cas, potentiellement, il va tuer. Donc, effectivement, c'est plus grave que de rater un stop. Et voilà. Donc, d'autant que c'est loi sous l'émotion. Oui, d'autant que c'est lié à l'affaire Halimi, qui est un peu dans le même état d'esprit. Inquiétant. On termine sur une note d'inquiétude. C'est un sujet qui mériterait peut-être effectivement une réflexion approfondie. Il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être conclure sur cette note d'inquiétude, mais il faut d'inquiétude pour penser. C'est nécessaire. Sylvie Imbert va nous annoncer la suite du programme. Oui, avant de vous annoncer le programme, je vous incite à lire cet ouvrage, hein, les chemins de l'abolition de la peine de mort. D'autant plus qu'à partir du moment où la peine de mort devient plus ou moins secrète, eh bien, dans cet ouvrage, vous avez encore les émotions, celles des magistrats qui assistent, Monique Mabellil, Armand Lemaire, Elisabeth Delatte, les avocats aussi qui sont présents. Robert Badinter était très marqué lorsqu'il a assisté à cette première condamnation à mort. Donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, et ça c'est quelque chose d'essentiel. Et puis je vous annonce également la prochaine revue de Nicolas Picard et Fabien Lostec qui s'appelle dans la revue 20 et 21 Les femmes condamnées à mort. Et là vous avez aussi un très bel article de Jean-Pierre Royer, Les femmes aussi, qui vaut aussi qui est très marquant dans cet ouvrage. Donc je vous incite vraiment à vous le procurer, et on en fera peut-être d'autres présentations dans librairie, on espère le faire. Et je vous invite donc maintenant le 21 septembre 2023 pour la continuation de notre cycle. Nous recevrons Michel Poré, qui a aussi écrit dans cet ouvrage, parce qu'il est aussi le spécialiste de Beccaria, qui viendra vous parler. Alors le titre est assez long parce que Michel Poré a voulu nous dire beaucoup de choses. Qualifier le crime et motiver la peine selon les circonstances du crime. L'arbitraire constructif des procureurs généraux de la République de Genève vers 1760-1770. Et je vous annonce le changement d'horaire. La Cour de cassation a insisté pour que je vous l'annonce officiellement. Ce sera de 16h à 18h, donc beaucoup plus tôt que ce qu'on fait actuellement. Et toutes les conférences vont maintenant être programmées de 16h à 18h. Donc je vous donne rendez-vous le 21 septembre de 16h à 18h pour entendre Michel Poré. Merci beaucoup. Merci Nicolas.